Merci, Père, parce qu'un an de vie, oh, c'est rempli de tous les roses et les pas. Mais Seigneur, tu l'as gardé dans cette sécurité divine. Béni soit ton nom, Père. Merci pour tout cela, Seigneur. Alors, garde-le au rythme de la parole, Seigneur. Oh, que le reste de sa vie soit dédié, Père, au nom de Jésus. Alors que, Seigneur, oh, le moment crucial est venu. Oh, parce que nous sommes venus pour écouter ta voix, ta parole. Accorde-nous un entendement, Seigneur. Dispose chacun de nous. Que tout ennemi, oh, toute langue qui ne confesse pas ton nom, soit, oh, mise dehors, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom. Gloire et gloire et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On met les acclamations à notre Dieu. Ses lignes est si profonde, insondable, c'est l'amour divin, l'amour d'homme. Ses lignes est si profonde, insondable, c'est l'amour divin, l'amour d'homme. Oh,
appel à la parole, la tête inclinée, les yeux fermés, dans un respect total, le cœur disposé, nous allons faire entrer la chose essentielle. Le temps est déjà là, les moqueurs nous entourent, les gars et les bruits sont des signes de vie. Le temps est déjà là. Sois gloire et honneur. Oui, que puisse la magnificence de vivre à jamais. Oh, tu es ce digne, Seigneur. Et nous sommes heureux et fiers d'appartenir à ta race. Oui, ce matin, Seigneur, étends ta main et fortifie ton peuple.
brise tout ce qui est maladie, tout ce qui est fausse fonction, que dans sa brise, au nom de Jésus. Donc, le véritable Saint-Esprit, tu es dans le camp, bénis tes enfants que nous sommes, prends la parole et apporte-la à nos cœurs, prends le contrôle de chaque âme et qui fait le Seigneur, et que nous sortons de ce tout joyeux. Nous nous remettons à travers tes mains, bénis sois-tu Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa maison à nouveau. Amen. C'est une grâce et c'est une joie. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez. Nous remercions le Seigneur d'avoir conduit la délégation que nous a représentée à Bougrou Balayo, Labayo, mais Balayo, bon. C'est Balayo. Ok. Amen. Amen. Ça n'a pas été facile pour la délégation. Vous voyez, j'étais là, j'appelais. Et ils sont arrivés là-bas, je crois, à minuit. Minuit, 1h du matin. Vous voyez, à cause de l'embouteillage d'Abidjan. Mais Dieu les a soutenus. Amen. Vous dites que ce n'est pas la porte à côté aussi. Amen. Amen. Mais nous sommes fiers d'être avec nos bien-aimés. C'est cela qui nous donne le sentiment d'appartenance. Ça nous donne le sentiment d'appartenir à un groupe. Vous voyez, d'appartenir à une assemblée. Amen. Qui nous soutient quand nous avons des difficultés. Amen. Amen. C'est ça qui fait la différence entre nous et la dénomination. Amen. Entre nous et l'église formaliste. Amen. Voyez, là-bas, chacun est dans son chacun. Si tu as des soucis, tu te débrouilles. Et quand il y a la mort, tu dois aller payer même le prêtre. Vous voyez, tu dois le payer pour qu'il puisse venir. Tant que tu n'as pas payé, pas de soutien. Voyez. Mais nous avons un message qui nous fait savoir que nous sommes une famille. Et cela est vraiment important. C'est pourquoi nous devons faire tout pour respecter les principes de ce message glorieux. Ça nous diffère des autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie le groupe musical pour la tenue que, voyez, qu'ils m'ont offert pour la nouvelle année. Vous voyez que c'est joli. Hein? Amen. C'est pas joli. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais prendre un peu de temps. Parce que vous savez que nous sommes dans le renouvellement des fonctions. Amen. Mercredi, je suis passé, je crois mercredi, c'était mercredi, je crois, bien jeudi, vendredi, mais ça reste mercredi. J'étais ici, j'ai parlé un peu là-dessus. Amen. Vous voyez? Et il faut que je rappelle certains principes. Parce que pas ce dimanche, mais dimanche prochain, on doit mettre tout ça en place ici. Amen. Amen. Donc, je vais rappeler certains principes. Et soyons attentifs. Ce sont des choses que nous savons, mais que nous négligeons. Voyez, nous savons ces choses-là, mais nous les négligeons. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je vais rappeler ces principes-là. Jusqu'à présent, j'attends les propositions, je n'ai rien reçu. C'est comme si on était dans l'église, là, mais on ne veut pas servir le Seigneur. N'ayons pas peur de servir. On est là pour quoi?
quand tu quitteras cette terre, pose-toi la question, quel est le but pour lequel tu as embrassé la terre? Parce que tu seras jugé par rapport au but que tu as assigné. Et notre prophète a dit, le péché c'est manquer le but. Amen. 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 Tout ce que nous avions cette terre-là, ce n'est pas ça le but principal. Nous sommes guidés dans un royaume, nous venons pour représenter le royaume et nous retournons dans le royaume. Amen. 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 Donc, on doit chercher, et le prêtre a dit, il dit, chaque croyant va prier le Seigneur pour savoir le but de Dieu dans sa vie. Amen. Mais tant que tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne peux pas servir correctement. Tu accompagnes les autres. Amen. Amen. Donc, si nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur, faisons-le. Mais c'est dans ça qu'on aura des récompenses. Dieu ne va pas nous bénir parce qu'on travaille, parce qu'on a un Dieu à bénir. Mais tout ce qu'on fera pour la maison de Dieu et pour l'œuvre de Dieu, c'est dans ça qu'il y a la bénédiction. Amen. Il ne périsse pas. Amen. 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 Donc, j'espère que j'aurai vos propositions. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, ce matin, je vais aller droit au but. Mon sujet, c'est comprendre le fonctionnement des offices pour mieux servir à son poste de devoir. Comprendre le fonctionnement des offices pour mieux servir à son poste de devoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous allons lire dans trois passages de la Bible. C'est pourquoi je vous demande la permission d'être un peu indulgent envers moi. Prenons dans Nombre 11. Je vais lire le verset 16 et le verset 24 à 26 de Nombre 11. Ensuite, nous prendrons dans Actes 6, le verset 1 à 4. Et enfin, 1 Timothée 3, on va lire le verset 15. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amen. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Amen. 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 Je descendrai et là je te parlerai. Amen. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Amen. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Amen. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Amen. On continue le verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Amen. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Amen. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, Amen. Mais ils ne continuèrent pas. Amen. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Amen. 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 Allons dans Actes 6. Du verset 1 au verset 4. Amen. En ce temps-là,
Le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Amen. Alors, dans 1 Timothée 3. Alléluia. Amen. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, Amen. Hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison Amen. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Amen. Faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès humains, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Amen. Les femmes de même doivent être honnêtes, c'est-à-dire les femmes des diacres. Amen. Amen. Voyez, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Amen. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Oh Seigneur, c'est beau que d'entendre ces paroles sacrées du livre. Amen. Cela réjouit le cœur en écoutant. Oh, c'est pourquoi, Justine l'a écrit que celui qui entend est béni, Amen. Et celui qui lit aussi est béni. Alléluia. Alors nous croyons que nous sommes déjà bénis. Maintenant nous plaçons la lecture entre tes mains. Dégage ce qu'il faut pour nous maintenant, en quoi ton onction, non seulement sur le prédicateur, Amen. Mais sur toute l'assistance. Amen. Afin que nous soyons tous dans le même esprit, Amen. Pour l'entendement, et que nous puissions saisir ce que tu veux nous faire comprendre. Amen. Ta bouche autorisée à parler, alors laisse-nous maintenant manger, oui, ce qui est déjà sorti. Amen. Alors nous nous assemblons autour de la table, oui. Et comme des petits aiglons, nous ouvrons notre bouche et nous attendons que la mère aigle, le glorieux Saint-Esprit, la grande colonne de feu, mette ces choses-là dans le cœur, afin que cela puisse nous aider dans la marche de tous les jours, Amen. Et nous donne la victoire partout, et permettre à l'Église d'être non seulement, oh Dieu, là, édifié correctement, mais recevoir les instructions de Dieu. Accorde-lui maintenant, Seigneur. Je pousse dehors tout esprit contradictoire. Au nom de Jésus, je lis tout esprit d'opposition. Au nom de Jésus. Et maintenant, laisse le Saint-Esprit de Dieu est la prime.
prends le contrôle de ton serviteur. Amen. Que ce ne soit pas ses pensées, ses opinions, mais que le Saint-Esprit seul puisse s'exprimer alors que nous nous remettons entre tes mains. Prends le service en charge maintenant, Seigneur, au nom de Jésus la parole. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. 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 Voyez, comme je l'ai dit, je vais prendre un peu de temps Amen. Pour toucher, voyez, ce point-là. L'ordre est nécessaire Amen. Pour la bénédiction. Amen. Voyez, l'Écriture dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Amen. Sans ordre, Dieu ne bénit pas. Amen. Voyez, Dieu ne bénit jamais dans le désordre. Amen. Il faut qu'il y ait de l'ordre pour que nous soyons bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, et ce dont je vais parler, ce n'est pas nouveau. Parce que nous lisons cela, nous écoutons les bandes, mais parfois ne faisons pas attention. Mais on ne prend pas beaucoup attention aux détails. Une chose est de connaître, une autre chose est de savoir exactement ce qui est Amen. Et de l'appliquer. Amen. Ce n'est pas la connaissance qu'il nous faut, mais la compréhension spirituelle Amen. Qui on appelle révélation, Amen. Qui nous fait agir conformément à ce qui est écrit. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez. Donc, si nous ne suivons pas ce que nous a dit, on ne peut pas prospérer. Amen. Amen. On ne doit pas prendre ces choses-là selon notre propre opinion ou notre propre penchant de choses. Voyez. On doit rester dans les lignes des Écritures. Amen. C'est en cela que nous allons prospérer. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Voyez, si nous voulons prospérer, nous devons suivre exactement ce que Branham a dit. Amen. Nous sommes l'Église. Nous sommes une Église. Amen. 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 Voyez, un corps, il y a la tête et il y a tous les organes qui sont dedans, les membres, Amen. Avec le corps. Amen. Amen. Et tout cela, solidement assemblé, obéit à un ordre. Si le corps ne peut plus obéir à ce ordre-là, ce corps-là est malade. Amen. Et un corps malade ne peut pas prospérer. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi le prophète a mis des balises. Amen. Avant de commencer, je vais lire quelques balises du prophète. Amen. 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 D'abord, je prends dans l'ordre de l'Église de 58. Parce qu'il a prêché deux fois l'ordre de l'Église. En 58 et en 63. Amen. Amen. Donc, d'abord, je prends l'ordre de l'Église de 58. Amen. Voyez, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Il dit ceci, Amen. Au paragraphe 20. Je vais lire cela. Il dit ainsi, voici d'après ma foi dans la parole de Dieu, la façon dont les choses devraient marcher au grand tabernacle situé au croisement de la 8e rue et de la rue Pène, à Jeffersonville. Donc on dira ici à Gonzaville au tabernacle la voie de la résurrection. Amen. Tout d'abord, je pense et je crois que ces choses dont je parle sont indispensables Amen. Et doivent être appliquées de cette manière au tabernacle
afin qu'il prospère dans le Seigneur. Amen. Je reprends. D'abord, tout d'abord, je pense que je crois que ces choses dont je parle sont indispensables et doivent être appliquées de cette manière à l'Église de Gonzague. Amen. Il dit, afin qu'il prospère dans le Seigneur. Amen. Et si à n'importe quel moment, ceci est mis en question, que la personne qui doute de cela puisse me consulter. Amen. 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 S'ils ne peuvent atteindre le pasteur, ou alors ils peuvent consulter le pasteur. Si je suis à la maison, à mon retour de certains de ces voyages, je serai heureux d'aider soit les laïcs, soit les pasteurs à n'importe quel moment. Et ces choses sont scripturaires. Amen. Et je crois que c'est l'ordre de l'Église. Amen. Amen. Il dit, si on veut prospérer, il faut qu'on applique cela. Amen. Ça, c'est ce qu'il a dit dans l'ordre de l'Église 68. Je prends l'ordre de l'Église 63. Amen. Amen. Prêchez le verset 263. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Au paragraphe 9, il dit, et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Amen. Il dit, souvenons-nous, nous, on doit se souvenir. Que Dieu s'attend à ce que lui, Branham, il reste avec la parole. Amen. Maintenant, il dit, et je m'attends. Lui, Branham, maintenant, il nous parle. Amen. Et je m'attends à ce que vous veilliez à appliquer la parole. Amen. Je m'attends à ce que lui s'attend à ce que nous, on applique la parole. Amen. Dieu s'attend à ce que lui reste avec la parole et lui s'attend à ce que nous on applique la parole. Amen. Donc, je lis. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole, voyez-vous, amen, dans cette église. Amen. Et gardez-la spirituelle. Amen. 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 Car souvenez-vous-en, toutes les forces du royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous. Amen. Tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Amen. Vous devez être des soldats, amen, non seulement de l'œuvre de Dieu. Vous êtes des soldats âgés maintenant. Amen. Et vous avez été entraînés au combat. Amen. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera à vous disputer entre vous. S'il le peut, repoussez-le tout de suite. Amen. Non, vous êtes un frère. Amen. Et c'est l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes un frère. Amen. Et c'est l'ennemi. Amen. Je continue, paragraphe 10. Et si à un certain moment, n'importe lequel de ces points devrait être mis en question, oui, on est dans l'église, hein? Oui. Si à un quelconque moment, l'un de ces points qui va traiter dans ce lot de l'église doit être mis en question, c'est ce qu'il dit. Amen. J'aimerais demander que cette bande soit passée devant les membres de cette église. Amen. C'est-à-dire, si dans l'exercice des fonctions, quelqu'un vient à dire ça, c'est pas normal, ça, c'est pas. Il dit Je demande au pasteur de faire passer la bande et que toute l'église écoute. Amen. Cela même, on met en porte-à-faux ceux qui veulent, ceux qui disent que, comment dirais-je, on va écouter pas seulement. Mais si on ne coupe pas seulement, il n'a pas pu faire cette recommandation. Amen. On est d'accord, non? Amen. Allez, il faut quand même être dirigeant quand même. Amen. 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 Il dit, et si à un certain moment, n'importe lequel de ces points devrait être mis en question,
J'aimerais demander que cette bande soit passée devant les membres de cette église. Voyez-vous, lors de vos réunions ou avant la réunion. Amen. Ah, il précise encore. Soit pendant la réunion ou avant la réunion. Maintenant, si on a mis pas avant la réunion, puis le reste de la réunion, on fait quoi? Voilà. Alléluia. Amen. 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 Juste avant que la réunion commence, mettez cette bande et passez là. Et puisse cette assemblée comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par le devoir pour avoir prêté serment devant cette église. Amen. D'aller au maintien de ses principes. Amen. Et il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec eux. Mais si je vous laisse diriger, alors c'est moi qui ne serai pas d'accord avec vous. Amen. Il nous faut avoir quelque part une source où doit se trouver un absolu. Amen. Et pour autant que je sache, je donne cela sous le Saint-Esprit. Amen. Le laissant lui être mon absolu. Amen. Et que cette bande soit votre absolu sur cette question. Amen. 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 Que cette bande soit notre absolu sur toutes ces questions. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais beaucoup lire dans l'ordre de l'église des deux. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais lire une autre citation avant de continuer. C'est le courant qui a été coupé. C'est pas un souci. Amen. 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 Je crois que si vous êtes calme, vous entendrez ma voix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire tout ce paragraphe-là dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Amen. Voyez, je ne voulais pas tout dire, mais je vais lire quand même. Il dit alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne ou de quoi que ce soit, vous avez une responsabilité. Et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la chose, vous, l'église. Maintenant, souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur mes épaules, elle repose sur les vôtres. Amen. Et si quelque chose ne va pas dans l'église, Dieu vous fera répondre de cela. Amen. C'est vrai. C'est ainsi qu'il conduit son église. Amen. C'est ainsi qu'il en est de la Bible. Amen. C'est là l'ordre de la Bible. Amen. C'est là la souveraineté de l'église locale. Amen. C'est le pasteur qui est la tête. Amen. 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 Donc, ça, ce sont les balises. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit, comprendre le fonctionnement. Voyez, comprendre le fonctionnement des offices de l'Église pour mieux servir à son poste de devoir. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Voyez que Dieu ne change pas sa manière de faire. Amen. Le premier exode, le troisième exode. Amen. On a quitté le premier, on est passé dans le deuxième, et nous sommes dans le dernier exemple. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous réalisons que dans le premier exemple, il y a eu quelque chose que Dieu a placé. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Voyez que la responsabilité de la conduite du peuple reposait sur les épaules de Moïse. Amen.
C'est lui que Dieu a mandaté. Amen. Pour faire sortir les enfants de l'esclavage et les faire arriver au port. Amen. C'est-à-dire à Canaan, en Palestine. Amen. Donc c'est lui qui a la charge. Mais vous voyez qu'il doit aller dans la présence de Dieu, recevoir les lois, les ordonnances, les préceptes. Amen. Amen. Qu'il devrait prendre la loi de Dieu, les 10 commandements, cela lui a valu 40 jours, voyez, là-bas sur la montagne. Amen. Où il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Amen. 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 Vous voyez, or, en son absence, le peuple était délaissé. Oui, amen. Il n'y avait personne pour pouvoir prendre d'abord soin. Amen. Amen. Et le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Amen. 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 Vous voyez, cela fait qu'il a été obligé à faire 40 jours et 40 nuits de jeûne pour aller prendre encore la loi. Amen. Ça est dans les Écritures. Amen. 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 Et dans le cheminement, un jour, Dieu a poussé son beau-père qui est venu rendre visite. Et il a vu que pendant toute une journée, tout le peuple était assis dans la vallée. Regardez, plus de 2 millions de personnes, plus de 2 millions de personnes s'assoient là dans la plaine. Et Moïse, peut-être sur un petit rocher. Alors, tout à tout, les gens passent pour faire connaître leurs besoins, leurs problèmes, leurs situations. Et Moïse, avec la parole de sagesse, répondait. Il était en train de résoudre le peuple. Son beau-père était assis là. Il avait dit, du matin jusqu'au soir. Amen. Alors, quand il a ramené le peuple pour aller manger, alors son beau-père est rentré derrière lui. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais comme ça? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, mais tu sais, Dieu m'a appelé à conduire le peuple. Et tout ce peuple a vu auprès de moi pour que je puisse les aider dans leurs besoins. Il dit, Moïse, tu ne fais pas bien. Amen. Si tu fais comme ça, tu vas épuiser le peuple. Amen. Et tu vas t'épuiser. Et tu ne pourras pas faire exactement correctement ce que Dieu te dit de faire. Amen. Regarde. Suis le conseil que donné, si Dieu est d'accord avec moi, alors suis ce conseil. Amen. Il faut choisir des gens qui sont capables. Amen. Et que tu vas les établir, des chefs de 1000, de 100, de 50, de 10. Alors, ils vont juger les petites affaires au fur et à mesure que ça monte. Et alors, quand ça va arriver à toi, alors ça devient sur les affaires sérieuses et puis ça va être nombreux. Amen. Alors, tu pourras suffire à la tâche. Amen. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne vas pas suffire à cette tâche-là. Et Dieu a approuvé ça. Amen. 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 Alors quand on est arrivé dans le nombre 11, voyez, la vie d'application de ces choses-là. Amen. Amen. Parce que le peuple a mal agi. Et Moïse s'est présenté là, il a pris son corps pour protéger le peuple. Amen. Amen. Alors Dieu dit Moïse, il faut choisir 70 personnes au milieu du peuple qui sont considérés comme des anciens, des gens qui sont considérés. Amen. Et fais-les approcher ici. Alors, je prendrai l'esprit qui est sur toi. Mais attends, là, quand je fais là, tu ne peux pas aller directement sur eux. Mais quel enseignement nous avons dans ça? Amen. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Et je les ferai reposer sur eux. Amen. Afin que eux, ils portent la charge avec toi pour le plus que tu la portes seul. Amen. 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 Donc c'est le même esprit qui était sur Moïse qui va sur le peuple. Amen. Sur les 70, sur les anciens. Amen. 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 Pour pouvoir conduire le peuple correctement. Amen. Nous voyons qu'à l'origine, l'institution des anciens obéissait
à ce principe-là. Amen. Parce que Dieu envoie une personne pour la conduite. Amen. 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 Dieu n'envoie pas deux personnes, ni trois personnes. Amen. Dans une église, il n'y a pas deux têtes, ni trois têtes. Amen. Mais il y a une tête et il y a un collègue tout autour. Amen. Mais s'ils ne sont pas dans le même esprit que les pasteurs, il y a problème. Amen. 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 Parce que il faut l'unité. Amen. Bravo dit que s'il y a deux têtes, on va dans deux directions opposées. Amen. 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 Je dis ça, je vais vous donner les citations tout à l'heure. Amen. 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 S'il y a deux têtes, s'il y a deux opinions, on va dans des directions opposées. Amen. 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 Vous voyez? Donc c'est pourquoi les anciens dans une église vont avoir la même vision que le pasteur. Amen. S'ils n'ont pas la même vision, il y a problème. Amen. 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 S'ils n'ont pas la même vision, il y a problème. Et quand tu es ancien dans l'assemblée, tu dois connaître la doctrine de l'assemblée. Amen. 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 Et c'est ça ce que tu dévoiles. Ce n'est pas tes opinions, ce n'est pas tes sensibilités. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Et c'est pareil pour tous les ministères. Amen. Amen. Parce que même si il y a ces ministères, mais dans l'église locale, il y a un pasteur. Amen. Tous les ministères sont sous le pasteur. Amen. 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 Les apôtres, ils étaient 12. Mais les 12 sont apôtres, non? Oui. Amen. 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 Mais Jésus a choisi un. Oui. Qu'il avait pasteur de l'église de Jérusalem. Amen. Donc eux tous reconnaissent que c'est Pierre qui est le pasteur. Amen. 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 Donc quand il y a problème, c'est bien qu'on appelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mais moi, je suis apôtre. Donc, non. Si c'est ça, il ne peut pas conduire l'église pour être durant. Amen. Vous comprenez? Amen. Cela est très important. Amen. Donc, la fonction des anciens, que ce soit tiens et autres, c'est en quelque sorte un démembrement de la fonction du pasteur. Amen. Parce que lui seul, il ne peut pas suffire à cette tâche. Amen. C'est lui qui a la direction. Mais il ne peut pas suffire à cette tâche. Amen. Comme il ne peut pas suffire à lui seul, alors il faut qu'il soit aidé dans sa tâche. Amen. Aider quelqu'un ne veut pas dire remplacer la personne. Amen. Amen. C'est une aide. Amen. 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 Mais la première responsabilité repose sur celui qui a été mandaté pour la conduite. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est ainsi que nous arrivons au Nouveau Testament, dans le texte que nous avons lu. Amen. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit est descendu, amen. Amen. De 120, ils sont passés à 3000, 4000, 5000 et ça augmente. Et alors, ils vendaient leurs biens, ils apportaient cela à l'église. C'est-à-dire qu'ils déposaient tout cela au pied du pasteur Pierre. Amen. Souvenez-vous d'Ananias et de Saphira. Amen. 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 Alors, le pasteur Pierre donna aux frères pour pouvoir faire la discussion. Mais il y avait problème. Amen. La distribution, il y avait problème. Amen. Alors, les brebis ont commencé à venir. Cela est parvenu au pasteur. Amen. C'est lui qui est responsable. On ne voyait pas les gens envoyer l'argent où tout ce qu'ils ont, ils ont besoin à quelqu'un d'autre, c'est à Pierre, pas celui qui est le pasteur. Amen. C'est pas vrai? Amen. On a dit l'écriture, c'est ça. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit à Ananias et à Saphira, votre ce que le diable a dit de faire là. Vous avez fait, alors vous allez le rejoindre. Amen. C'est Pierre qui a parlé. C'est à son pied qu'on a fait tout ça. Amen. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'ancien dans l'église, le pasteur, il est à la fois diacre. Il est à la fois administrateur, il est à la fois trésorier, etc. Amen. 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 Mais quand c'est une église de 2, 3, 4, 5, 6 personnes, même auprès de 20 personnes, ce n'est pas difficile. Amen. Amen. Mais quand tu as une assemblée de 50, 60, 100, 200, 1000,
tu ne peux plus suffire à cette tâche. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir les responsabilités. Vous verrez que le pasteur ne peut pas suffire à ça. Il faut des gens qui vont le dire. Amen. 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 Alors, Pierre a convoqué une réunion de tout le monde, comme Moïse l'avait fait. Amen. Et ils ont prêté les pierres. Voilà, il y a la discrimination dans le partage, etc., etc. Alors, Pierre s'est levé. Il dit, homme, il n'est pas bon qu'il y ait ces gens de choses parmi nous. Amen. Voilà ce que c'est le même esprit qui a parlé à Moïse, qui parle à Pierre. Amen. Choisissez parmi vous, voyez, sept hommes de qui aura un bon témoignage, qui soit rempli de l'Esprit Saint. Amen. Et nous allons les établir sur vous. Et ils vont s'occuper de ces choses-là. Et alors nous, on continuera à nous occuper de la prière et de la parole. Amen. S'il y a des gens qui se chargent de ce côté-là, le pasteur peut se consacrer à la prière et à la parole. Amen. À l'enseignement. Amen. 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 Parce qu'il n'est pas bien que nous laissons la parole pour servir au table. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est là que les premiers diacres sont venus dans le Nouveau Testament. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, si nous prenons dans Exode 18, verset 13, verset 27, vous verrez ce que j'ai dit, ce que Jéthro a dit à Moïse. Amen. 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 Donc, cet enseignement-là, ça va au-delà des offices. Ça prend tout en charge. Amen. Excusez-moi, tu peux enlever, non? Amen. Amen. Vous voyez ce qu'il a joué le monde? C'est aussi un don. Amen. Je ne parle pas simplement de monde, hein. Mais quand quelqu'un dépense son argent, et ce n'est pas une petite marque, amen. Il faut que tu portes. Amen. Amen. Là, Dieu le bénit. Amen. 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 Donc, celui qui a donné, voilà, je te montre. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Si nous sommes là, c'est à cause de vous. Amen. Sans vous, nous ne sommes pas là. Amen. Le Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, vous voyez que de par son institution, les fonctions doivent travailler en harmonie avec le pasteur. Amen. Toutes les fonctions de l'église doivent travailler en harmonie avec celui que Dieu a placé. Amen. Il ne doit pas avoir de divergence. Amen. 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 S'il y a divergence, il y a problème. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, un diacre ne peut pas s'opposer à son pasteur. La vie ne peut pas s'opposer à son pasteur. Amen. Et cela même d'un individu, bizarrement, le corps ne peut pas être édifié. Si le pasteur va à droite, le docteur va devant, l'évangile va ici, l'apôtre va ici, voyez, le prophète ici. Ce corps-là, comment il sera édifié? Au contraire, on est en train de déchiqueter le corps. Donc c'est que tout doit travailler en harmonie. Amen. C'est pourquoi peu importe le don que Dieu te donne, il te place sous une direction. Amen. Amen. Unis sous une seule tête. Amen. Amen. Peu importe le don que tu as, Dieu te place sous une tête. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc vous comprenez l'importance de l'ordre. Sans ordre, Dieu ne peut pas bénir. Amen. Il faut qu'on soit dans l'ordre. Si on est dans l'ordre, la bénédiction descend. Amen. Qu'on le veuille ou pas, la bénédiction va descendre. Amen. Quand chacun de nous va rentrer dans l'ordre, mais vous aussi rentrez dans l'ordre. Amen. En tant que membre laïque. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, vous voyez que nous avons parlé de Moïse, mais je prends citation
où le prophète prend son ministère, ce que Dieu a fait avec lui, comme ce qu'il a fait aussi avec Moïse. Amen. Alors, écoutons. Alléluia. Amen. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, voyez, il parle du discernement. Parce que Dieu, le discernement, ça allait plus beaucoup. Amen. Alors, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je vais commencer au paragraphe 17. Il dit, nous en sommes reconnaissants. Ça m'aide vraiment. Il parle des prophéties dans l'église à Johnsonville. Il dit, ça m'aide vraiment beaucoup, ça. Quand je suis ici, quand je reviens donc ici, le discernement prophétique, ça me pousse complètement. Alors Dieu m'a envoyé de l'aide par la prophétie et par le parler en langue et l'interprétation qui sont une prophétie. Amen. Quand on parle en langue, il y a deux personnes qui prophétisent. Amen. Une parle, l'autre comprend ce que la première dit dans la langue inconnue, c'est exactement une prophétie. Amen. Et alors, nous avons cela chaque jour, à chaque réunion ici. Quand nous avons nos lignes de prière pendant la réunion, maintenant, quelqu'un pourrait donc demander au sujet du don. Oui, je l'ai toujours. Amen. Voyez, dans l'église, je veux dire, le prophète n'exerce pas le discernement. Donc, je pense que c'est parti, c'est pas parti. Mais le discernement était exercé par le frère de ville et une sœur et puis un autre frère qui a fait le don de prophétie, de parler en langue et d'interprétation. Amen. Amen. Il dit, le discernement, le don, je l'ai toujours. Amen. Oui, je l'ai toujours. Mais l'occasion, la seule occasion où je l'utilise, c'est lors de mes entretiens privés. Et pour en obtenir un, voyez, il faut. C'est ce que les gens ne veulent pas. Tu veux avoir un entretien de pasteur, il y a un secrétaire qui est là. Mais tu ne sais pas combien de personnes veulent voir le pasteur. Amen. Donc, passe par le secrétaire. Amen. Lui, il va coordonner, il va prendre rendez-vous et il va informer le pasteur. Tu as rendez-vous tel jour à telle heure, tel jour à telle heure, tel jour à telle heure. Il regarde le calendrier du pasteur et tu fais un rendez-vous. Amen. Mais les gens ne veulent pas suivre l'ordre. Tout le monde, c'est dimanche, je vais voir le pasteur. Mais dimanche, après application, tu es épuisé. Amen. Parfois, tu es en train d'écouter les gens qui dorment, parce que tu es fatigué. Voyez. Or, j'avais déjà établi ici des horaires, des jours où je peux recevoir, mais à jamais, voyez, de calendrier de rendez-vous. On attend dimanche, on attend la dimanche 9, après le culte, non, je ne vois pas pasteur. Mais si tu ne veux pas pasteur dimanche, ça ne marche pas comme ça. Amen. 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 Tout ça, c'est aussi l'ordre de l'église. Amen. Vous voyez, les entrées privées. Le secrétaire, le prophète, c'est son fils Billy Paul. Donc, tu vas forcément passer par Billy. Si tu dis vendredi à 10h, tu vas t'appeler à 10h. Amen. Si tu dis samedi à 20h, ça veut dire à 20h. Amen. C'est comme ça. Amen. 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 Que ce soit ici, il faut obtenir l'autorisation et convenir d'une date avec mon fils Billy Paul. Que ce soit ici ou lors des réunions après celle-ci, ou n'importe où. Dans les champs missionnaires, il vous faudra une petite carte que Billy Paul vous remettra. S'il y a dans votre vie quelque chose que vous ne comprenez pas et dont vous ne savez pas comment vous en sortir et que vous recherchez la sagesse du Seigneur, alors voyez Billy Paul, mon fils, qui est le secrétaire. Il vous donnera une petite carte et vous fixera un rendez-vous à un certain moment. Amen. Et alors, quand nous aurons donc ces entretiens, c'est là que nous nous retirerons ensemble, rien que vous et moi. Si ce sont des femmes, alors vous viendrez avec moi et mon épouse. Amen. Et alors, nous trouverons et nous chercherons la face du Seigneur
et nous lui demanderons ce que vous devez faire. Maintenant, les autres problèmes moins importants, regardez. C'est comme ce qu'on vient de lire dans Nombre. Maintenant, les autres problèmes moins importants et toutes ces choses-là, ils seront transmis à Frère Neville, à Frère Egil Bodan, à Sœur à Cambridge et aux autres qui ont lui parlé en langue et l'interprétation de l'Église. Les autres problèmes ne sont pas très, très importants, moins importants. Alors, on envoie ça au pasteur Neville qui a le don de prophétie. L'autre qui a le don de parler en langue et l'autre qui a le don de déplacer en langue. Alors, ceux-là, ils vont se réunir, ils vont prendre le sujet, ils vont chercher la face du Seigneur. Voyez, et ça décharge le prophète. Amen. Pour ne pas que tout le monde attende que quelqu'un va arriver, c'est là qu'ils vont le voir. Dans l'église, il y a des dons qui sont de discernement. Alors, ils vont résoudre les problèmes et moins importants. Voyez, est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu n'a pas changé. Il dit maintenant, les autres problèmes moins importants et toutes ces choses-là, ils seront transmis à Frère Neville, à Frère Egil Bodan, à Sœur à Cambridge et aux autres qui ont lui parlé en langue et l'interprétation dans l'Église. Alors, nous faisons comme dans l'Exode. Je crois que c'est Jethro qui, un jour, voyait à Tiaboïli, prenons quelques anciens et l'Esprit de Dieu qui était sur Moïse a été pris et mis sur 70 anciens, et ils ont prophétisé. Alors Moïse ne s'occupait personnellement que des cas importants et difficiles. Amen. Eh bien, nous ne sommes pas Moïse, et eux, ces anciens-là non plus, mais nous servons toujours le Dieu Jéhovah, amen, avec la belle colonne de feu qui nous conduit à la terre promise. Amen. Ainsi donc, oui, il y en aura d'autres, des réunions et l'interprétation, le discernement sera à l'œuvre. Alors ça me permettra d'être en prière et d'étudier le jour où je sais que je vais avoir des entretiens, d'être prêt pour ça. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Il dit Dieu lui a envoyé l'aide à l'église par ce don-là. Amen. Amen. Au niveau de les fonctions, même la Bible dit, quelqu'un est dit malade, qui va les anciens, ils vont le voir, ils vont prier. Mais les gens ne vont pas avec les anciens. Ils sont malades, ils vont attendre que ce soit le pasteur qui vienne d'abord. Mais il y a l'écriture. Amen. On choisit les gens à qui on a confiance. Amen. Si on les a choisis, alors laissons-les travailler. Amen. 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 Je prends dans ce rangé du côté de Jésus. Il revient sur la même chose. Il dit, c'est comme je trouve. Quand il a dit à Moïse, eh bien, tu ne peux pas t'en sortir avec que tu sois. Et Dieu a placé les anciens là-bas, 70 d'entre eux, et a pris l'esprit qui était sur Moïse pour le placer sur ces 70 anciens. Et ceux qui prophétisaient. Et cela n'a pas affaibli Moïse, le bon du monde. Amen. Cela l'a fortifié. Amen. Parce que ça le dégage et il peut s'occuper de plus de choses. Voyez, il avait juste autant de prophéties en lui qu'il en avait avant qu'on lui prélève l'esprit de prophétie. Amen. Voyez-vous, il n'a fait que séparer. C'est pas tout l'esprit qui était sur lui qui est parti. C'est une certaine qualité. Amen. Je voudrais dire, il a prélevé l'esprit de prophétie. C'est pourquoi ils ont prophétisé dans le camp. Amen. Ici, le prophète, Dieu a pris le titre et partie du discernement. C'est-à-dire, qui est combiné dans des vases. Lui, il a tout entier. Il peut voir avant, il peut voir maintenant, pas là-bas. Mais ici, il faut que Dieu parle par prophétie, par parler en langue, par interprétation. Amen. Donc, c'est différent. Amen. Amen. Mais c'est le même esprit. Voyez, en moins de portions. Et ça va aider. Ainsi, ils n'ont pas besoin d'attendre que le fait d'arriver un mois, deux mois, trois mois après, pour que leur besoin soit exaucé. Dans les pays, il y a des gens qui peuvent être discernement. Amen. Amen. Vous voyez? Il dit maintenant, Moïse. Excusez-moi, voyez-vous, il n'a fait que séparer. Il a dit maintenant, Moïse,
laisse juger les plus petites affaires. Mais pour ce qui est des affaires importantes, sois avec eux et aide-les de la sorte. Maintenant, c'est ainsi que ça se passe. C'est de cette manière que Dieu avait agi jadis. C'est de cette manière que Dieu agit dans le premier acte de l'Église. Et je crois que c'est de cette manière que Dieu veut que nous le fassions aujourd'hui. Ainsi, faisons cela. N'en parlez pas avec eux. La grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, on ne doit pas en parler, mais faisons-le. Donc, les anciens, ils doivent travailler en travail. Ils aident le pasteur de la conduite des tâches de l'Église. Amen. Je reviens encore là-dessus. Parce que je n'ai pas de l'harmonie. Je vais toucher un point ici. Amen. Dans l'évangélisation dans la fin. Amen. Voyez? Parce que le prophète dit, les embrouillés, ceux qui embrouillent les questions de conducteur. Faire des choses responsables un peu seulement, alors ils embrouillent le peuple. C'est pas. Je vais lire exactement ce que tu as dit. Voyez? Un tiers, un administrateur ou un ministre. En général, c'est-à-dire qu'on doit être très prudent. Et Satan a braqué ses armes contre nous. Il veut que ce soit nous qui détruisons nos peuples. Mais ne lui donnons pas l'occasion. Amen. Et Satan, tu ne passes pas par moi. Amen. C'est pas quand un ancien, un diacre ne comprend pas ces choses, il devient dangereux pour l'Église. Un administrateur, il devient dangereux pour l'Église. Il faut que nous comprenions le fonctionnement de ces offices-là pour mieux servir à notre poste de devoir. Lis maintenant. Bon, je laisse en haut là-bas, je viens un peu en bas. Voyez. Ils avaient 2,5 millions de gens là-bas, dans le désert. Dans ce désert. Et Jethro vint vers lui. Vint lui dire, Moïse, cela va te tuer. Ton fardeau est si grand. Dieu a pris une partie de son esprit et l'a mis sur 70 anciens. Et ils prophétisèrent. Cela n'a aucunement à faire Moïse. Mais lui, Moïse, était toujours l'ultime réponse. Amen. Malgré que Dieu a fait de 70 anciens, l'esprit était sur eux. Mais Bram dit, Moïse était l'ultime réponse. Amen. Parce qu'il avait le ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas marcher sur la conduite d'un groupe d'hommes. Amen. 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 Je vous disais, Dieu met la boule de feu même pas. Oui, mais c'est vrai. Mais il y a une tête. Amen. Va vers la tête. Amen. 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 C'est ce que vous voulez à manquer de faire. Et il s'est retrouvé dans le sous-sol. Amen. Amen. Dit, vous ne pouvez pas marcher sur la conduite d'un groupe d'hommes. Je défie quiconque. Chaque fois que cela a démarré, Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes. Amen. Il utilise un seul homme. Amen. Exactement. Amen. Un homme à la fois. Amen. Parce que deux hommes ont deux opinions différentes. Amen. Un seul homme. C'est exactement vrai. Remarquez maintenant, à chaque dispensation, cela a été ainsi. Tout du long, à chaque fois, cela a été ainsi. Et là, se tenait Moïse. Et savez-vous ce que Corée a dit? C'était l'un des anciens aussi. Amen. 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 L'esprit était sur lui aussi. Il avait l'onction. Et savez-vous ce que Corée a dit? Il a dit, eh bien, Moïse agit comme s'il est le seul qui puisse prêcher. Amen. Amen. Corée, à un moment donné, c'est-à-dire, c'est comme s'il a envie la position de Moïse. Mais tu es ancien. Tu es un conducteur. Amen. Mais il veut que les gens le regardent. Alors, le prêtre dit, Colette dit, Moïse fait comme s'il est le seul qui sait prêcher. Amen. Amen. Il dit, c'est ce que Colette a dit. Il a dit, eh bien, Moïse agit comme s'il est le seul qui puisse prêcher. Le seul qui est le message. Pourquoi Branham pas de message ici? Alléluia. Parce que là-bas, c'est d'argent. Au temps de Colette, on parle de message. Le message, c'est nous. Amen. 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 C'est comme un diable dit, le pasteur fait pour nous, c'est celui qui a le message. Nous, on a le message, on lit la brochure et on a le Saint-Esprit.
ça c'est dangereux. Parce que même si c'est vrai, mais Dieu ne prend pas deux têtes. Amen. Voyez? Et bien, Moïse agit comme s'il était le seul qui puisse prêcher, le seul qui aime le message. Oh, nous savons que la colonne de feu est suspendue au-dessus de lui. On sait que la colonne de feu est sous Moïse. Nous savons que cette lumière est sur lui. Nous savons cela, mais il agit comme s'il était le seul qui aime le message. Amen. 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 Ça, c'est Satan qui l'a point. Amen. Mais si il ne dit pas ça, le peuple ne soit pas écouté. Mais il n'a pas dit que Moïse n'est pas conduit par Dieu. Non. Il dit, nous savons que la colonne est sur Moïse. Nous savons que la lumière est sur lui, mais il agit comme il est le seul qui a le message. Il dit, ce n'était pas son intention. Telle n'était pas son intention. Il essaie de corriger les gens. Il a trop d'idées. Il y a trop d'idées. Vous devez écouter quelque chose. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, c'est pas pas simplement de lui. Amen. Car je vais l'applaudir. Lui et sa congrégation par la terre. Et la terre s'est ouverte et du feu en sortit et ils sont descendus. 250 personnes sont mortes en même temps. Vous voyez, c'est comme un tremblement de terre, comme en Turquie actuellement. Tu vois, la terre qui s'ouvre. Et puis ils sont rentrés dedans, la terre s'est refermée, c'est fini. Amen. 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 Vous comprenez? C'est pourquoi c'est dangereux. Amen. Nous devons travailler dans l'harmonie. Amen. 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 Nous devons travailler dans l'harmonie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très, 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 très important. Chacun de nous doit travailler dans l'harmonie avec le pasteur. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous suivez? Amen. Comment je mets ça ici? J'y reviens. J'y reviens tout à l'heure. Amen. 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 Dans l'église, l'ancien c'est qui? Quand on dit l'ancien, ça veut dire c'est un. Amen. C'est le pasteur. Amen. Pour les anciens, alors on parle maintenant des offices. Amen. Mais quand on dit l'ancien dans l'église, c'est le pasteur. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que le prophète a dit? Je vais rappeler tous ces principes-là. Amen. Amen. Je prends dans l'ordre de l'église de 58. Paragraphe 1 à 3, il dit ceci. Je me suis sérieusement efforcé par les Écritures à mettre de l'ordre dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ tel que nous le croyons au grand tabernacle. La première chose que je voudrais dire, c'est que le pasteur a toujours la pleine responsabilité du tabernacle. Pendant mon absence. Amen. Et je le regarde au pasteur à mon retour. Amen. Ainsi, il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Pendant que je suis absent. Nous croyons en une église apostolique enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ce jour. Nous croyons au plein évangile. Et croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus-Christ a parlé devraient accompagner son Église jusqu'à son retour. Amen. Donc croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Amen. Et que l'Église a son ordre. Et que chaque Église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Amen. Et le pasteur, il est à la tête de tout ça. Amen. 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 Je continue encore, paragraphe 63. Souvenez-vous. Il dit maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur.
à notre frère David, donc à moi. Et ça, ça ne vous concerne pas, ça vous concerne le pasteur. Donc ça s'adresse à moi. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Frère David a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduira à dire. Il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduirait à faire. Il a aussi des droits sur son conseil de diacre. Amen, amen. Il peut changer le conseil de diacre, celui d'administrateur ou le pianiste ou tout autre office qu'il désire changer dans l'église. Amen. Tant qu'il se sent conduit par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Et moi, j'approuverai tout ce qu'il fera, amen. Étant donné qu'il est, et je le crois, un homme de Dieu. Je reconnaîtrai cela comme venant du Seigneur. Et j'approuverai la même chose. Et par conséquent, cela nous donne le pouvoir de conduire l'Église de la manière qu'il se sent conduit à le faire. Amen. Après, amen. Maintenant, pour tout office dans l'Église pour lequel il désire changer la fonction des gens, il a le pouvoir de le faire. Amen. J'ai confiance que ceci sera toujours fait dans l'amour et qu'on n'en fera pas un mauvais usage. Amen. C'est un pouvoir vraiment grand. Amen. C'est pas dit, j'ai confiance que ça se fait dans l'amour et que le pasteur ne va pas en faire un mauvais usage. Amen. 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 Parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent exagérer. Amen. Amen. Mais il a pouvoir sur le conseil de diacre. Ça veut dire, si dans le conseil de diacre, il voit qu'un certain diacre ne joue pas correctement comme il va être, et que cela va contre la folie, il peut dire, toi diacre là, je doute. Il est le responsable du conseil, je ne doute pas le conseil. Ce n'est pas que le diacre allait voler le commettre adultère. Auquel cas il voudrait, voyez, des témoins pour le faire. Mais lui, c'est par rapport à l'exercice. Voyez, par rapport à ce qu'il attend. Ce qui doit être fait selon le message et qui n'est pas fait, il peut déposer. Amen. Amen. Il peut changer le pianiste. Il peut changer le directeur du chant. Amen. Vous voyez? Il peut changer. Amen. S'il voit que tu es en train de faire ta tête, que ça ne va pas dans le. Il peut dire, toi, assois-toi, toi, viens ici. Amen. 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 Et ne crois pas que ça va se faire, ça va se faire, ça peut se faire. Amen. 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 Il peut faire ça. Ça, c'est le pasteur. Amen. 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 C'est pas le dit, j'espère que ça va pas. Il ne va pas écrire ça de la bonne manière. Amen. Si il le fait, il peut avoir des motifs et des raisons valables devant Dieu. Amen. Pour le faire. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Voyez. Donc, maintenant, ça, c'est le pasteur. Maintenant, vous, les membres, les diacres, ou tout autre office dans l'église. Parce que quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, il doit faire attention à trois choses. Amen. La popularité, c'est de l'orgueil va entrer. Les femmes, ça devient une vedette. Et puis l'argent aussi sera un frein. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas le pasteur seulement. Tous ceux qui sont dans un office, vous êtes confrontés à tout ça. Même les membres, chacun écoute à ça. Mais ceux qui sont vraiment exposés, c'est le pasteur, les ministres et ceux qui sont directement dans l'office. Parce que vous êtes des vedettes. Amen. Amen. Donc, de l'autre, on va être la cible du diable. Amen. Donc, quand quelqu'un commence à être un peu populaire, qu'il fasse attention. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que l'orgueil là, parfois, est sournois. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il faut qu'on revienne à l'avertissement du prophète. Je vais vous donner l'avertissement du prophète. Dans l'ordre de Déruit 208. Amen. Paragraphe 42.1. Ne vous enflez pas d'orgueil,
au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur ou l'église où vous entourez. Amen. Il dit donc, c'est leur cœur qui fait ça. Quand tu penses que tu es plus spirituel que l'église, c'est l'orgueil. Ou bien tu connais plus que le pasteur, c'est l'orgueil. Ne vous enflez pas d'orgueil. Au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur ou l'église où vous adorez. Si vous arrivez à ce point-là, alors je conseillerai à chacun de vous de se trouver un autre endroit pour adorer. Amen. 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 Car je demande au pasteur de ne jamais permettre quelque chose en dehors de l'ordre de la paix. Amen. De la manière dont nous l'avons appris ici à l'église. Et ensuite, nous voulons que ces dons opèrent dans l'ordre. Amen. Et les adorateurs aussi. Que les dons opèrent dans l'ordre et les adorateurs aussi doivent être dans l'ordre. Amen. 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 Je prends une citation. Voyez. Ça, parfois on ne comprend pas ça. Et nous sommes responsables des pasteurs. Parce que on est faible à ce niveau. Et cela a entraîné beaucoup de choses. Le bras 48. Il dit, à toutes les réunions de prière, là où les gens sont rassemblés en groupe, à une heure de prière, le pasteur doit être à chacune d'elles. Amen. Il ne devrait jamais être laissé à n'importe quel individu d'aller conduire de telles réunions. Amen. Amen. C'est-à-dire, si à une heure de prière, le pasteur doit être là, ou bien s'il a dit quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui a la doctrine réelle. Amen. Parce qu'il dit, il ne doit pas être laissé à n'importe quel individu de conduire une telle réunion. Car nous avons découvert qu'ils sortent de la ligne de la doctrine et ensuite ils provoquent, ils ramènent cela dans l'église et bien des fois cela amène des hérésies et autres choses qui n'appartiennent pas à l'église du Dieu vivant. Amen. Aussi le pasteur devrait être à toutes les réunions de prière et partout où il y a des réunions ou des rassemblements. Amen. Amen. Quand des gens disent, bon, on va faire une prière, le pasteur fait confiance, il n'y a pas de souci. Demain, deux jours, trois jours, ça devient église. Puis on vient, non, on sort de l'église. Mais ce n'est pas comme ça. Tu as juste le passe. Vous voyez? Donc les gens ne vont plus pour les envoyer de l'église. Alors ils les évangélisent pour les maintenir. Ça, ce n'est pas bien. C'est pas le fait de dire à tous les rassemblements, quand il y a ces gens de rassemblement, le pasteur doit être présent. Voilà ce qui est dit. Amen. Voilà ce qui est dit. Il dit parce que la plupart du temps, les gens sortent de la donne de l'église. Ils vont dire des choses, et alors quand ils ramènent cela à l'église, ça cède l'église, ça casse l'église. Et les gens le suivent et deviennent le leader du groupe. Amen. Amen. Si le pasteur permet que quelqu'un aille là-bas, il faut que cette personne soit bien assise. Amen. Vous voyez? On dit non, réunion de prière dans la maison, c'est normal. Chaque maison, toi, mais comme chaque maison, c'est toi, ta femme, tes enfants. Amen. 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 Mais si tu fais une séance de prière, ça peut être différent. Amen. Et il ne consulte même plus le pasteur, parce que c'est juste autonome. Alors, ils vont prendre d'autres serviteurs de Dieu pour faire la cellule. C'est anti-message. Et ça crée des cisalines. La rue de famille, c'est toi et tes enfants. Amen. 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 Tu fais une cellule de prière dans ta maison, il faut que le pasteur soit là. Amen. Parce qu'il est la tête de tout. Amen. Et ça, c'est l'ordre. Amen. Et pour ne pas avoir fait, pour ne pas avoir fait ces choses-là, il y a plein de choses qui sont infiltrées. Et ça crée des problèmes à l'église. Amen. 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 Il faut l'harmonie dans l'exercice des fonctions. Amen. 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 Alors, je vais maintenant lire ce que vous savez.
Amen. Amen. Mais j'ai parlé beaucoup. Il faut que on écoute notre absolu. Amen. Et il faut que ces choses soient notre absolu. Amen. Donc vous pouvez écouter notre absolu. Amen. 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 Dans question et réponse du 12 janvier 61, la question 131. Voici la question. Est-il de règle qu'un diacre ou un administrateur demeure dans la doctrine de son église? Je vais répondre oui. Amen. Est-il de règle qu'un diacre ou un administrateur demeure dans la doctrine de son église? Il a dit oui. Amen. C'est vrai. Deuxième question. Est-il légal de ne pas d'ajouter ou de retrancher quelque chose aux enseignements à cause de leur propre opinion ou révélation? Il a dit non. Amen. Dit, non, monsieur. Amen. 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 Est-il de règle que l'administrateur ou le diacre demeure dans l'ordre de l'église? Oui. Est-il légal qu'il retraite quelque chose à l'enseignement? L'enseignement, c'est ce que le pasteur donne. Amen. Est-ce que le diacre ou l'administrateur peut venir nuancer, peut venir contredire ce que le pasteur donne à cause de sa position ou de sa propre révélation? Il a dit non, monsieur. Amen. Alors, il continue. Paragraphe 486. Un diacre ou un administrateur doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son église. Amen. En quoi? Amen. Parfaite harmonie. Amen. Il devrait s'en tenir absolument à l'interprétation des écritures de l'église. Amen. Car autrement, ils combattent la chose même. Exactement. Ils se feront du mal. Voyez-vous, vous luttez. En d'autres termes, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que j'essayais de lui donner du poisson. Il dit, c'est la même chose. Vous ne devez pas faire cela. Amen. Un ancien qui n'est pas en accord avec la doctrine de l'Église, voyez, et qui l'exprime aux membres, c'est un poisson. Exactement. Amen. Amen. Il y a une méthode. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu n'es pas d'accord, tu es un ancien, tu appartiens à un collège. Amen. Et il y a une tête. Le pasteur est le chef. Vous voyez, il est la tête du conseil des diacres et des administrateurs. Amen. Va parler à ton pasteur. Pasteur, tel élément-là, bon, je ne comprends pas ça bien de cette manière. On ne va pas se poser avec le pasteur. On va vous échanger. Amen. Et on ne va pas se poser nos points de vue. Amen. Amen. Ça ne marche pas. Si tu viens voir, tu vas voir le pasteur. Tu dis, pasteur, ça c'est faux, hein, ce que tu as dit, c'est faux. Il dit, oh. Amen. Tu n'as pas la bonne attitude. Amen. Il dit, oh. Dis, le pasteur va te recevoir. Non, tu es impoli. Amen. Amen. Aucun homme ne va recevoir d'affaire impoli. Amen. Viens. Amen. Amen. Même si tu, c'est ton papa, tu veux parler à ton papa, tu viens avec des grains sels, tu vas dire, Dieu. Amen. Mais tu es impoli. Amen. Juste. Mais il ne veut pas faire la vérité. Amen. Il ne veut pas faire la vérité, mais ton attitude n'est pas correcte. Ayez la bonne attitude pour avoir accès à une audience. Amen. Donc il a prêché l'approche vers Dieu. Amen. Pour chaque chose, il y a une approche appropriée. Amen. Si tu n'as pas la bonne approche, tu ne vas pas avoir de résultat. Amen. 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 Donc si tu viens affronter ton pasteur, déjà c'est Dieu. Amen. Il est ton pasteur. Amen. Amen. Même de la Bible, regardez Nathan. Nathan est prophète, mais David est roi. Amen. David est la tête physique de Nathan. Nathan est le prophète. David, la partie spirituelle, c'est vrai. Mais celui qui a l'épée, c'est le roi. Amen. Il a le droit de vie et de mort, oui, sur tout le monde. Amen. Amen. Donc si même le roi a commis une erreur, tu vas dire roi. Tu n'as pas dit, c'est pas toi qui a dit, avant que tu me parles d'elle, ta tête a sauté. Tu vas défier le roi sur son trône. Amen.
Mais quand David a péché, voyez, quand David a péché, Dieu a dit à Nathan, va lui dire qu'il a mal agi. Mais Nathan connaît, il a dit, Seigneur, si je vais devant le roi, il dit, mais tu es un pécheur, je sois mort. Il dit, bon, va dire telle chose. Ce que Nathan a dit, c'est son inspiration. Amen. Alors, il a approché le roi de la première manière. Oh roi, vis éternellement. Amen. Tu es le roi d'Israël, l'homme que Dieu a choisi pour nous conduire. Mais oh roi, j'ai un souci. Amen. Le roi, déjà quand tu as élevé le roi, il est attentif. Il dit, mais approche Nathan, que se passe-t-il? Il dit, non, il y a un problème dans ton royaume. Il dit, mais attends, que se passe-t-il, Nathan? Il dit, ah, écoute-moi attentivement, roi. Tu as deux sujets. Il y a un qui est très riche. Il a plein de brebis. Mais tu as un autre sujet. Lui, il n'est pas riche, mais il a reçu un brebis. Amen. Le riche a reçu des invités. Et comme il est riche, il est rentré dans, voyez, l'enclos du pauvre là. Il a pris sa brebis, il l'a tué pour nourrir ces gens qu'il a reçus. David dit, qui a fait ça? Amen. Il tape dans mon royaume, il met la mort. Amen. Alléluia. Il a reçu le jugement. Une telle personne dans mon royaume. Ben, tel que ça a été présenté, il a passé l'histoire. Il dit, c'est un fait. Amen. Donc c'est une réalité. Amen. Il a dit, mais qui est ce temps-là? Amenez-le ici. Amen. Il dit, mon roi, doucement. Ce temps-là, c'est vous. Amen. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Tu as beaucoup de femmes. Tu as des centaines de femmes. Donc, même où tu veux dormir, tu peux dormir. Qui tu vas appeler, tu peux appeler. Mais tu as un fidèle serviteur qui se tue à la tâche pour toi. Oui. Uri. Et lui, il a une seule femme. Amen. Mais tu as fait tuer ce homme pour prendre sa femme. Alors, voici ce que Dieu dit sur toi. Amen. L'épée ne va plus jamais quitter ta maison. Amen. Amen. Vous voyez? Mais si. Il n'est pas parti comme ça avant qu'il ne sorte un homme mort. Amen. Mais il a eu l'approche qu'il faut. Amen. Alors le roi, automatiquement, il a eu sa face, il dit j'ai péché contre Dieu. Voyez? Vous comprenez? Amen. Il faut avoir l'approche dans ce qu'on fait. Ce n'est pas pour les fidèles, quand vous voulez voir un ancien, ayez la bonne attitude. Amen. Même si tu manges à un ancien, c'est son humilité. Amen. Voyez, c'est un ancien. Amen. Ayez la bonne attitude envers lui. Amen. Ne parle pas un ancien comme à votre ami. Amen. Voyez. Amen. Vous n'avez pas le même âge. Même dans le naturel, on doit respecter le droit. On doit respecter les cheveux blancs. Amen. Un ancien, du fait qu'il est un ancien, il est considéré comme un des cheveux blancs. Amen. Et tout homme bien poli va s'incliner devant les cheveux blancs. Amen. Et la bonne attitude. Amen. 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 Alors, je continue à lire. Donc, le prêtre dit, un diacre ou un administrateur, en gros, un ancien, qui n'est pas d'accord avec la doctrine de l'Église, il doit normalement aller voir celui qui est le dépositaire. C'est-à-dire le garant de cette doctrine-là. Et il doit en discuter. Pasteur, voilà. Vous voyez? Si tu viens de la bonne manière, il va avoir une oreille attentive. Amen. Il va te dire. S'il a des réponses là, il va te donner une réponse. Voyez? Amen. S'il n'y a pas de réponse là, va dire bon, prions, je vais faire des recherches et je vais t'appeler et on va tirer ça au clair. Amen. Voyez? Amen. Amen. Et vous, il va faire, vous allez tirer ça au clair. Amen. Amen. Mais ne va pas avec une position rigide. Si ce n'est pas mon opinion là, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est l'orgueil. Amen. Amen.
Si ce n'est pas ce que je dis là, je suis pas d'accord. Les opinions là, on ne discute pas les opinions. Amen. Amen. Quand Dieu parle, il a parlé. Amen. Maintenant, l'application là, on applique. Il y a l'application brute. Et puis, il y a les éléments qui viennent avec nos sensibilités. Amen. Amen. Vous les sœurs, Dieu dit le corps aux cheveux. C'est pas vrai? Amen. Il a dit, avez-vous des savants? Amen. Mais il ne va pas choisir la qualité du tissu pour vous. Amen. Amen. Il ne va pas choisir ça. Ni la couleur. Mais quand tu t'habilles, tu dois savoir que tu es habillé décemment. Amen. Donc quand il est décemment, ça renferme quelques éléments. Tant que dans ces éléments-là, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. L'homme dans son décemment, la robe peut traîner. Mais c'est parce que sa robe traîne. Que moi, si ma robe, la robe arrive à ma cheville ici, alors je suis décemment habillé. Non. Vous voyez? Là maintenant, ce sont les opinions. Amen. Est-ce que c'est décent? Oui. Est-ce que ça balaie la cour? Ça, c'est ton opinion. Amen. Je veux que ça balaie la cour. Amen. Amen. Je veux que moi, quand je m'habille là, on ne voit pas une partie de mon corps. Ça, c'est. Ça dit, c'est ton opinion. Mais est-ce que l'autre qui a bien décemment, mais qu'on voit un peu ici là, elle n'est pas habillée décemment. Vous voyez, il y a des principes. Alors quand elle peut se respecter, les recherches sur la bêtise, c'est le mode d'opinion. Amen. Donc c'est à la question de chacun. Amen. 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 Donc un diable ne va pas prendre son opinion pour diriger l'église. Amen. Quand un diable va rendre visite sur un sujet, ou bien quelque chose que le pasteur avait dit, et il rend visite et puis quelqu'un pose question, ah, mon ancien, comment tu vois ça? C'est un piège. Oui. Donc, ah, comme le marché a dit là, donc il n'y a pas de problème, mais sinon moi je ne vais pas faire ça. Déjà, c'est du poison. Amen. C'est du poison. C'est pourquoi je le prends là, je le prends. Est-ce que c'est légal de ne pas d'ajouter ou de retrancher quelque chose aux enseignements à cause de leurs opinions ou leurs révélations? Le prophète dit non, monsieur. Amen. 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 Donc tes opinions ou ta propre révélation, et là la révélation peut aller plus loin. Il dit, si tu as une révélation, fais attention. Consulte les Écritures et va voir ton pasteur. Amen. Il faut lui dire ta révélation. Or, aujourd'hui, les gens ne veulent pas confronter les relations à leur pasteur. Mais ils sont prêts à diffuser ça partout dans l'église. Amen. C'est un piège et c'est un démoniaque. Tu as une révélation, la première personne, c'est le pasteur. Amen. Si tu dis non, ça, c'est pas correct, laisse tomber. Amen. Si tu penses que c'est quelqu'un qui n'a pas encore vu, prie pour lui. Amen. Aujourd'hui, quand il n'a pas encore vu, toi tu pries pour lui. Amen. Si Dieu t'exauce, tu vas t'exaucer. Amen. Mais si tu penses qu'il n'a pas assez de patience, et que tu t'agites, c'est que tu as un problème. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Il dit, en d'autres termes, voyez, un diacre ou un administrateur doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son église. Il devrait s'en tenir absolument à l'interprétation des écritures de l'église. Amen. Car à autrement, il combat la chose même. Amen. C'est pas volontairement, mais en réalité, c'est ça. Ils se feront du mal, comme pour lui. Il dit, en d'autres termes, il explique, c'est comme si je dis à ma famille, oh, j'aime mes enfants, j'aime ma femme, et puis en même temps, je m'imbibe des caïmans dans l'eau pour eux. C'est quel amour qui va m'amener à tuer toute ma famille? Ça, c'est vrai que je dis. Amen. Il dit, en d'autres termes, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que j'essayais de donner du poisson. Il dit, c'est la même chose. Amen. Vous ne devez pas faire cela. Amen. Un administrateur ou un diacre, en exerçant sa fonction, ou quiconque, office dans une église, représente un certain corps ecclésiastique. Amen. Vous voyez, il représente une église. Amen. 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 Donc, vous ne devez pas le faire.
Il dit c'est la raison pour laquelle il a quitté l'église baptiste. Vous voyez? Parce qu'il était pasteur baptiste. Et à un moment donné, le pasteur Davis est venu et dit, Branham, il faut ordonner telle femme pasteur dans l'église. Il dit, je ne peux pas le faire. Il dit, tu es un ancien de l'église. Il dit, je ne savais pas que dans la doctrine baptiste, on devait ordonner les femmes. Vous voyez? Mais Dieu se préparait la voie de sortir de son prophète. Amen. 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 Aujourd'hui, on prend ça et puis on sort de l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Non. Vous voyez? Sortir de l'adoration, oui, mais sortir du message, non. Amen. 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 Il y a une procédure à respecter. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Est-ce que c'est ici? Amen. Est-ce que c'est ici? Amen. Alors, il dit, mais est-ce qu'on peut en parler? C'est pas la chaise, on parlait de ça. Et Branham n'est pas venu à la chaise pour je dis l'église baptiste parce que non. Ils se sont parlé. Branham a parlé avec le pasteur Davis. Le pasteur Davis a été catégorique. Il dit, ici, notre doctrine, on doit ordonner les pasteurs, les femmes pasteurs. Il a dit, dans ces conditions, excusez-moi, voici ma carte. Si vous levez ma carte, je démissionne de l'église baptiste. Amen. Ça s'est passé là-bas. Amen. Amen. Si Branham était venu à la chair pour dire, parce que le pasteur Davis a dit, c'est-à-dire que ce message-là s'est empoisonné. Vous voyez, mais il n'a pas fait ça. Donc on ne doit pas le faire. Aucun diacre n'a le droit de donner son opinion, ni dans l'église, ni au dehors de l'église, à quelqu'un membre. Ton opinion, fais ça. Amen. Même si tu vas avoir parlement, tu vas soutenir parlement. Amen. 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 Ta révélation, garde ça pour toi. Parce que Bram dit, c'est un poison que tu mets dans l'église. Amen. On est d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Amen. Il faut l'harmonie. Une parfaite harmonie. Une citation. La question de repos du 15-54, paragraphe 355. Lui, mais je suis simplement en train de présenter à cette église pendant ces quelques jours la doctrine qu'elle soutient. Vous voyez, c'est ce que l'église soutient. Et s'il y a un diacre ici, qui ne croit pas au baptême au nom de Jésus-Christ et au baptême du Saint-Esprit ou à la manifestation des dons de l'Esprit, ce diacre-là, en ce moment même, pendant que je me tiens ici, ne mérite pas d'être diacre dans l'Église jusqu'à ce qu'il soit redressé. Amen. C'est tout à fait vrai. Amen. Et le conseil devrait payer à cela. C'est exact. Cette Église n'est pas dirigée par les diacres. Cette Église est dirigée par la Bible et par le Saint-Esprit sûr. Amen. Amen. Eh bien, donc ces choses, nous croyons que c'est la doctrine de cette Église. Amen. Il dit, alors que j'ai des personnes, si un diable n'est pas d'accord avec ça, il ne mérite pas d'être dans l'Église. Vu qu'à ce qu'il soit redressé. Amen. Et le conseil des diacres doit veiller à ce qu'il n'y ait pas un membre de l'équipe qui soit porte à faux. Amen. 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 Nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Maintenant, je vais gérer de 61, 12, 361. Là, c'est pour appuyer ça. Vous êtes des diacres. Tout à l'heure, je vais toucher les fonctions des diacres et des administrateurs. Mais
quand vous êtes au contact avec les fidèles, vous faites attention. Parce que les frères posent des questions. Vous êtes censé être des gens enceintes de la doctrine. Parce que un diacre doit être en accord de la doctrine. Amen. Amen. Parce que le diacre est appelé aussi à prêcher. Amen. 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 Donc il faut connaître la doctrine. Amen. Amen. Donc, quand on te pose des questions, tu es censé être l'aide du pasteur. Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un qui va piloter le pasteur. Amen. Amen. Et le prophète a une ligne de conduite. Si on respecte ça, l'église va aller de l'avant. Amen. Et quelle est cette ligne de conduite? Il dit, voyez, certains parmi vous m'ont peut-être écrit des lettres. J'ai répondu de mon mieux. Maintenant, quant aux questions que vous m'avez posées sur la doctrine, je vous ai simplement renvoyé à votre pasteur. Voyez-vous? Parce que je ne fais pas cela. C'est gentil. J'apprécie la confiance que vous avez placée en moi. Mais vous voyez, nous tous, nous ne pouvons simplement pas nous accorder sur les principes de base. Nous tous, nous nous accordons maintenant même. Voyez? Même. Mais chaque homme, peut-être deux ou trois qui sont assises là, ne s'accorderait pas. C'est pourquoi je vous ai dit de demander à votre pasteur. Voyez? Parce que parfois, ça cause des petites frictions dans l'église. Et nous ne voulons pas cela. Nous aimerons que vous soyez en harmonie et de commun accord. Et si je réponds à une question sur la doctrine et que ton pasteur n'est pas d'accord avec ça, ça va créer des bizarreries. Alors qu'il faut que vous soyez d'un commun accord et en harmonie. Amen. 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 Voyez, c'est pourquoi je ne réponds jamais aux questions des fidèles qui n'est pas mon fidèle. Amen. Or, dans ce message, les gens sont spécialistes de répondre aux questions des autres membres. Amen. Amen. Une femme qui, au lieu de poser ses questions à son mari, la Bible dit, elle va interroger son mari à la maison. Amen. 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 Donc, si vous êtes ma femme, vous devez m'interroger à la maison. Amen. J'ai dit ici. Amen. 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 Vous ne devez pas poser la question à un autre mari, mais pas votre mari. Amen. Ça, c'est la prostitution. Amen. 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 Et il y a des pasteurs qui sont spécialistes. Grand docteur, grand ceci, grand cela. Alors, c'est eux qui répondent à toutes les questions des fidèles dans leur fidèle. Mais en faisant cela, si tu es aussi docteur que ça, mais il faut toi-même confronter le pasteur. Amen. Alléluia. Va vers ce pasteur-là. Amen. Si c'est fidèle de poser la question, faut le rencontrer. Amen. Après, tu vas aider. Amen. C'est cache, non. L'église n'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Mais pourquoi dois-tu tenir dans une église alors? Amen. 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 L'église, chaque mari a sa femme. Amen. Chacun a sa maison. Amen. Amen. Et Branham dit, chacun peut avoir une église qui peut dire c'est mon église. Amen. 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 Dieu envoie des bergers à chaque groupe. Amen. Non, non, on a tous la voix de Dieu, mais est-ce que c'est toi que tu as mandaté? Je suis ici, mais est-ce que j'ai un mandat? C'est moi qui suis là-bas? Non. Est-ce que je vais appeler les fidèles là-bas pour faire ça, faire ça, faire ça? Je vais le faire. Non. Amen. Amen. Si j'ai besoin de quelqu'un d'entre eux, je vais appeler son pasteur. Amen. Ton fidèle, j'ai pris ce service. Est-ce que tu peux autoriser cela? Mais aujourd'hui, il n'y a plus de discipline entre les ministres. De ce pas super pasteur, de ce pas pasteur inférieur. Donc, si on va les marcher, marcher sur eux, alors tu es le grand pasteur. Il n'y a pas ça dans le message. Amen. Si tu as établi pasteur de deux personnes, tu es berger au même titre que pasteur de une autre personne. Amen. Il doit avoir du respect. Amen. 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 C'est pas à toutes les questions qu'on répond. Amen. Si un ministre pose une question, tu réponds, ben c'est ton collègue. Amen. Tu juges entre berger et berger, mais je ne suis pas berger brebis. Amen. Ton collègue te pose une question, tu réponds. Amen. Mais si un fidèle de la salle te pose une question, si tu réponds, c'est que tu sèmes la scène là-bas. Voilà, fais pas ça. C'est quoi? Lui-même qui est prophète de l'âge. Oui. On lui pose que sur la doctrine, il dit va ton pasteur. Amen. Amen. Donc l'harmonie est très nécessaire Amen. Pour la bénédiction de l'église. Amen.
Amen. Voyez, si le pasteur a prêché l'évangile et que vous avez été converti, et le Saint-Esprit continue à lui faire confiance. Amen. Il s'occupera du reste, continue carrément jusqu'au bout. Amen. Je ne réponds donc pas aux questions sur la doctrine. Amen. Je crois simplement dans les grands principes fondamentaux de la doctrine de la Bible. Amen. Et ce que je dis ici, même si mon pasteur est en désaccord avec nous, avec cela, nous reconnaîtrons une seule chose. C'est que sur le plan des principes, tous deux nous prenons la même chose. Amen. Oui. Je peux dire, il prêche et il répond aux principes fondamentaux où tout le monde croit. Mais quand une doctrine spécifique, il ne répond pas. Amen. 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 Que le nom de son Seigneur. Donc on va être sage. Amen. Quand tu vois que ton opinion diverge du pasteur, ferme ta bouche. Amen. C'est la sagesse. Amen. 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 Si tu dis quelque chose qui va contre, tu es en train de servir autre chose. Et que tu ne veux pas, c'est bon, ça va jamais. Tu vas créer des rébellions, ça te rend compte. Amen. Parce que tu as manqué de sagesse. Donc, quand on est ancien, on ne doit pas avoir l'esprit d'attitude collée. Vous voyez? On doit rester en harmonie avec le guide. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc ça, ce sont les avertissements du prophète. Et il faut que nous en tenions compte. Amen. Amen. On doit en tenir compte. Amen. C'est très très important. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Je viens maintenant aux fonctions. Alléluia. Amen. Parce que il fallait que je t'apprenne cette phase d'abord. C'est pourquoi j'ai dit comprendre le fonctionnement des offices. Amen. Parce que même si on dit, Jack, il doit faire ça, il doit faire ça. Ça, c'est mécanique. Mais tes relations interpersonnelles Amen. Avec le peuple, là, Amen. Tu dois comprendre comment tu vas faire. Amen. Pour ne pas être une perte d'achoppement. Voilà. Voyez? Est-ce que vous comprenez? Amen. L'administrateur va comprendre. Donc, tu vas comprendre le fonctionnement. D'abord, de l'office en tant que tel et de ta relation interpersonnelle avec le peuple. Amen. Alors tu peux mieux servir à ton poste de devoir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Abraham dit que les fonctions doivent être tenues correctement. Amen. 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 Je suis dans l'ordre de l'Église 58, paragraphe 65. Je lis. Et chaque personne qui a un office dans l'Église remplit sur son devoir. Et que chaque personne qui a un office dans l'Église remplisse son devoir tout en sachant que Dieu vous tiendra responsable de la manière dont vous aurez accompli votre office dans l'Église. Amen. Chacun aura à rendre compte. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça. On n'est pas diable et puis on est ancien, on l'aurait. Ancien, fait le bâtard. Ancien. Ça fait un papa au ciel. Amen. Mon frère, il y a un bilan à faire. Amen. Il dit et que chaque personne qui a un office dans l'Église remplisse son devoir. Tout en sachant que Dieu vous tiendra responsable. De la manière dont vous allez accomplir au fil de l'Église, chacun aura à rendre compte. Dites Amen. Amen. Je prends pour 63. Chaque fois, je lis dans les deux. Pour que vous voyez que le Saint-Esprit n'a pas dévié du début qu'à la fin. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Thank you.
Il dit ceci, paragraphe 137. Rappelez-vous, vous ne travaillez pas pour le Baal d'Abénak. Alléluia. Donc les anciens qui sont et qui seront, vous ne travaillez pas pour l'église de Benzac. Amen. Vous ne travaillez pas non plus pour le pasteur. Amen. Vous travaillez pour Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Et il a égard à votre loyauté. Amen. Au même titre que celle du pasteur ou de n'importe qui d'autre. Il compte sur votre loyauté. Amen. Et nous voulons montrer notre loyauté. Amen. Alléluia. Bien. Paragraphe 34. Que ceux qui ont un ministère pour le corps de Christ s'attendent à leur ministère. Parce que c'est un ministère qui vient de Christ pour l'Église. Amen. 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 Ce qui est un ministère de la part de Dieu qui s'attend à leur ministère. Amen. Amen. Chacun sera jugé pour ça. Amen. 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 Nous avons pris 1 Timothée. Voyez, 3. Nous avons lu de 1 à 15. Mais quand nous revenons au verset 13 de 1 Timothée 3 dit quoi? Je vais maintenant m'attaquer à l'office des diacres d'abord. Je parlerai des administrateurs, du trésorier et peut-être du groupe musical un peu. Le verset 13 dit quoi? Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Et une grande assurance de la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire un diacre ou un ancien qui remplit convenablement son ministère obtient un rang honorable devant Dieu. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, en quoi consiste l'office de diacre? Je vais présenter quelques grands livres. Amen. 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 Voyez. En quoi cela consiste? D'abord, le père dit que l'office de diacre, c'est un vrai travail. Amen. Comme le travail du pasteur. Amen. Voyez. Le diacre, il a un vrai travail. D'abord, le diacre est le policier de l'église. C'est un policier dans l'église. C'est un garde du corps du pasteur. Parce qu'il doit garder le trône. Voyez, le prophète a parlé de cette église où les diacres ont manqué à leur dévot, que il n'avait pas de diacre. Le diacre, c'est que quelqu'un est rentré avec le fusil. Il a tiré sa femme, tiré sur le pasteur, tiré sur lui-même. Il disait que les diacres l'auraient maîtrisé dehors. Voyez? C'est pourquoi, pour les diacres, vous êtes un conseil de sécurité. Vous êtes la sécurité de l'église. Voyez? Les diacres sont la sécurité de l'église. Donc, pour chaque service, que ce soit réunion ordinaire, ou bien les réveils, vous les diacres devez avoir un plan de sécurisation. Et si vous voyez que la tâche est rude, vous pouvez demander l'appui de la police civile. Amen. Pour pouvoir garder soit les entrées, voyez, et vous occuper de l'intérieur. Voyez. Amen. Parce que vous êtes la police. Le prêtre dit physique et spirituel. Amen. Amen. Donc, vous devez que les diacres doivent avoir un plan de sécurisation du culte. Amen. 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 C'est pourquoi, voyez ce que vous nous conseillerez, c'est quoi? Et je le dis au diacre, avant la réunion, vous devez avoir votre réunion de sécurisation. Amen. Alors, si l'église est grande, ou bien s'il y a des portes, si vous êtes, soit 7, 10, peu importe, alors, vous
positionner. Vous pouvez prendre les yeux sur vous et dire, c'est bon, vous, toi, dans ta âme, il faut que tu sois ici, tu sois ici, tu sois ici, tu sois ici, tu sois ici. Toi, tu dois rester soit à ton hôtel, amen, soit au point pour veiller. Voyez, si la réunion dure, vous pouvez dire que chaque 30 minutes, on se relève. Amen. Voici le plan de circulation. Toi qui es là-bas, tu vas ici. Toi qui es là-bas, tu vas ici. Ainsi, il peut se relayer. Parce que les yeux, quand les yeux sont à un endroit, ça s'habitue. Amen. Vous voyez? Quand vous êtes en position, alors les yeux se rafraîchissent. Amen. Donc, ayez une plan de circulation. Voyez? Et ainsi, pendant que le Christ se déroule, vous surveillez. Pour ne pas que quelque chose puisse perturber lors de l'adoration. Voyez? Si on finit, qu'il y a des gens qui se donnent au Seigneur, c'est vous qui devez prendre contact. Parce que vous avez aussi le rôle du suivi des âmes. Amen. Voyez? Vous devez prendre contact. Aidez les statistiques. Voyez? C'est dans ce registre, vous avez toutes les statistiques. Telle réunion, il y a eu, voici, tel qui sont venus. Si on dit, on est combien? L'église là, on est combien de membres? On est capable de savoir combien de membres nous sommes. C'est pas normal. Vous voyez? On doit connaître. On n'est pas une domination, c'est vrai, mais on doit connaître. Amen. 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 Vous voyez? On doit connaître. Le prophète, je vais le lire tout à l'heure, il dit, nous sommes responsables des siens, oui, des membres réguliers. Mais attends, si on ne le connaît pas, amen, si on ne le connaît pas, comment on va savoir que c'est un membre qui vient d'arriver ou qui vient de passage? Donc, on doit prendre au sérieux le travail. Amen. Vous voyez, on s'est dit dans la tête, on n'est pas une domination, donc on rentre au sort, on rentre au sort. C'est pas ça. Amen. Non, on n'est pas une domination, certes, mais un lot que Dieu a donné par vous, Abraham, on fait quoi? Amen. Si quelqu'un a un problème, il dit, il faut que ce soit un membre régulier. Amen. Mais comment tu vas faire ça que c'est un membre régulier? Est-ce que le pasteur a le temps de voir ça? Non. Mais qu'est-ce que les aides du pasteur? C'est pourquoi Abraham dit, les diacres ont plus de responsabilités que le pasteur. Amen. Voyez? Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. C'est très important. Ils doivent être sur leur registre. Telle réunion de temps. Il y a eu 10 personnes. Il y a 2 personnes qui sont données au Seigneur. C'est enregistré. S'il y a des départs, ils doivent savoir. Des décès, ils doivent savoir. De telle sorte qu'à la fin de l'année, alors, on peut dire en début d'année, l'église comptait peut-être 200 membres. En fin d'année, l'église compte maintenant 210 membres. C'est qu'on a évolué. Amen. 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 Donc, on doit travailler. Parce que quoi? Cela avec une politique d'évangélisation. Amen. Cela veut dire que les gens travaillent. Amen. Vous voyez? Amen. Parce que Branham dit, et ça c'est encore Branham. Amen. Il dit, je n'ai pas confiance dans le ministère des pasteurs qui ne s'améliorent pas. Amen, amen. C'est vrai qu'il a dit? Amen. Je n'ai pas confiance dans le ministère des pasteurs qui ne s'améliorent pas. Il dit, si l'église a eu 20 membres, et puis il dit, je m'arrête là, ça me suffit. Il dit, c'est pas suffisant. Amen. Si cette année tu as 20 membres, alors il faut qu'il en fasse davantage. Amen. Mais il fait ce décompte. C'est pas tout déjà. Si on dit, ben, on est combien aujourd'hui? Diacre, le rapport, zéro. On a combien à telle année, zéro. Attends, vous faites quel travail? On ne sait pas si on prend non, mais si on diminue. Si on diminue, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on doit s'améliorer. Amen. Le bras dit, il n'a pas confiance dans le ministère de pasteur, dont l'église n'évolue pas. Amen. 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 C'est dans les brochures aussi. Amen. Amen. Donc le diacre a un vrai travail à Kibanam. Tout ce que je vous dis là, je vais le lire, c'est dans notre église. Amen. 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 Il a un travail. Donc quand il est diacre là, tu dois travailler. Amen. Ce n'est pas les honneurs seulement. C'est pas la Bible dit, ceux qui vont s'acquitter de leur travail là pour le témoin
devant Dieu, ils obtiennent un rang honorable. Amen. C'est un travail vraiment difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un diable qui ne rend pas visite, il y a un problème. Le pasteur ne peut pas faire tout ça. Le nom, vous avez combien? Est-ce qu'il doit être 32 secondes? Si le pasteur même veut rendre visite à tout le monde, ça ne marche pas. Mais c'est pas un zèle. Quand ils vont rendre visite, ils font un plan. Ici, j'ai demandé qu'il y ait la cartographie des membres. Bravo. Ça va, Jack? J'ai demandé ça ou pas? Parce qu'on est responsable des. Voyez? Ceux qui sont membres de nous, sont des membres de nous. Mais si tu ne sais pas où il habite, comment tu as une visite? Aujourd'hui, c'est facile, il y a le téléphone. Vous voyez? Quand vous êtes dans votre programme de la semaine, bon, telle semaine, telle à vous, prenez cette direction, visitez les familles qui sont dans cette direction, vous, ici, telle direction, visitez les familles. Parfois, il y a des gens, parce qu'il y a des agneaux, il y a des brebis, il y a des filles, peut-être qui sont très fragiles. Vous voyez? Ils ne vont jamais venir voir le pasteur. Ils ne vont jamais dire quelque chose à quelqu'un. Si toi, tu ne souffres pas dans leur état, ils ne vont jamais parler. Vous voyez? Et puis, ils sont en train de mourir. Mais en rendant visite, vous les découvrez. Bram dit, dans la Bible légale, il dit, c'est-à-dire, la visite là, quand tu vas chez quelqu'un là, ça veut guérir. Amen. Puis souvent, ça guérit. Il peut être malade. Mais quand tu vois l'être, il est guéri. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, tu peux trouver la personne dans une situation difficile là. Mais que se passe-t-il? C'est depuis quand? Tu vas commencer à te parler. C'est là que, voilà, tu vas dire que tu fais ton rapport physique, matériel, financier, spirituel. Il peut s'agir de problèmes de nourriture, mais il ne va pas me dire, j'ai pas mangé depuis une semaine. Mais c'est quand tu vas les visiter et que tu vas te rendre compte que cette famille-là, ça fait une semaine, deux semaines, moi je ne mange pas. Avec, pourtant, ils sont constamment à l'église. Alors le diacre apporte ça parce qu'il a vu un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Ça va se diffuser en conseil et l'argent sera décaché peut-être. Ou bien on fait appel, vous voyez, soit en nature. Un peu de riz, un peu de ceci, un peu de cela, mais c'est suite à quoi? À l'approche des diables, à leur travail. Ou bien, telle personne est un peu spirituel, pasteur, voilà. Parce que le fait dit, ils sont des conseillers dans l'ordre spirituel. Alors, en rapportant toutes ces choses, ben, ça synthétise. Alors, le pasteur commence à avoir une idée globale des différents besoins. Alors qu'elle commence à chercher, il sait quelle parole va envoyer pour guérir ses plaies. Amen. Il sait quelle parole va envoyer pour guérir ses plaies. Il sait quelle assemblée va donner pour que ce soit redressé pour le demain. Amen. Amen. C'est pourquoi vous êtes là pour aider le pasteur. Mais quand tu as quitté ici, tu es chez toi à la maison, tu dors. Tu dis d'abord, tu viens ici. Tu deviens un membre ordinaire. Tu n'occupes aucune fonction. Ta fonction, c'est de venir. Tu n'as pas compté l'argent seulement. Diable, il s'est planté comme il est là. Et puis après, il est à la maison. Puis la réunion, il est là. Ça, c'est pas un travail. C'est pas ça seulement. Ça, c'est un infime. Vous voyez? C'est une infime partie du travail de diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors. Avant d'un message. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'abord, prenons le réveil intérieur contre les diacres. À ça. Au moins, c'est un résumé avant d'aller dans les détails. Je prends l'achat de Jack. Écoutons Branham. L'achat de Jack étant élu
conformément à la parole de Dieu et à la façon du bras d'Abedac, est d'agir en tant qu'assistant spirituel au pasteur. Amen. Voici l'une de leurs premières fonctions. Les diacres doivent agir en tant qu'assistant spirituel du pasteur. Hein? Bien, notez bien ça. Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Amen. Il doit assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Ils sont libres de parler au pasteur pour lui présenter tout programme ou avantage qui bénirait le bien-être général et spirituel de l'Église. Amen. Ils sont libres de faire des propositions directes au pasteur. Parce que quand ils sont en rendant visite, ils sont confrontés à des situations, alors ils vont se faire des propositions. Amen. Amen. Ils peuvent être aptes à enseigner et prêts à assister le pasteur ou le pasteur associé dans tout domaine s'il leur est demandé. Donc dans n'importe quel domaine qu'on leur demande de faire quelque chose, il va être prêt à le faire. Amen. Ils vont aider à servir la communion. Ils feront office du ciel dans toutes les réunions. Ils exerceront la fonction de policier, amènera la conduite et l'ordre civil, c'est-à-dire physique. Ils aideront au prélèvement des offrandes locales. Ils prévoiront la marche spirituelle de l'Église en travaillant avec le pasteur et les uns avec les autres sur des problèmes spirituels et les difficultés des saints. Amen. Ils seront prêts n'importe quand. Amen. Ils seront prêts n'importe quand à assister chaque saint dans le besoin. C'est pas un diable qui va pas fermer son téléphone. Amen. Parce que il doit être prêt à n'importe quel moment de la journée. Amen. À assister les frères et les soeurs dans leurs besoins. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ont plus de responsabilité. Moi, je devais dire, mais le diacre ne doit pas le faire. Au ancien, il y a des problèmes. Il va plus parler. C'est pas, si vous ne le respectez pas, Dieu ne va pas vous laisser cadeau. Hein. Amen. Les gens qui ne donnent pas compte de vous, ils ne sont pas payés pour ça. Amen. Mais c'est une responsabilité qu'ils ont pris et ils se sacrifient pour ça. Amen. 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 Il doit être prêt n'importe quand à assister chaque saint dans le besoin, ayant un fardeau et ayant besoin d'une consultation spirituelle ou du bien-être général. Ils n'ont pas le droit d'agir dans un programme quelconque ou une promotion sans se mettre d'accord les uns avec les autres. Les pasteurs ou les administrateurs sur le programme qu'ils envisagent d'accomplir engagent les fonds de l'Église. Ils sont responsables devant Dieu de leur conduite et de la façon dont ils servent en accord avec la parole de Dieu. Amen. Ils ne tiendront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur soit présent. Amen. C'est pour éviter les dérapages. Amen. Amen. Regardez, ça c'est un condensé très lourd. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons l'ordre de l'Église. Alléluia. Amen. C'est très important. Regardez ceci. Et c'est souvent là que les diacres et les administrateurs, ils doivent connaître leur attribution. Ils doivent connaître leur attribution, c'est-à-dire leur travail là, ils doivent connaître les limites de leur travail. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, Branham dit ceci. Maintenant,
la question 231, ordre 63. Frère Branham, jusqu'où un diable peut-il ou devrait-il aller mettre l'ordre dans l'église? Devrions-nous mettre l'ordre ou bien attendre que Frère de Ville nous dise ce qu'il faut faire? Amen. Il dit ceci, ce n'est pas le travail de Frère de Ville, c'est votre travail. Alléluia. Vous ne dites pas à Frère de Ville quoi prêcher et comment le prêcher. Voyez-vous, c'est votre travail à vous les diacres. Vous êtes censé faire cela, occupez-vous de cela. Cela ne concerne en rien Frère de Ville, c'est votre travail. Maintenant, si un policier ici dans la rue, voyez, est ici dans la rue, et qu'il voit un homme en train de voler quelque chose à l'arrière d'une voiture, doit-il appeler le maire et dire, eh bien, votre honneur, monsieur le maire, je travaille pour vous dans la force, dans la force de police. Voici, j'ai trouvé un homme dans la rue qui était en train de voler les pneus d'une voiture la nuit passée. Je me demandais, quelle est votre opinion là-dessus, voyez-vous? Cela n'aurait pas de sens. Amen. Non, monsieur, s'il est en train de faire quelque chose de mal, arrêtez-le. Amen. De même, si un homme fait quelque chose de mal ici à l'église ou n'importe où, n'importe qui, arrêtez-le. Amen. Parlez-le. Ne soyez ni arrogant. Ne soyez pas arrogant. Mais s'il refuse d'écouter, parlez de façon à vous faire comprendre. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas pour, arrêtez-le en tant que Dieu. Avec tout seul. Mais si vous résistez, il dit faites-vous respecter. Amen. 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 Voyez-vous, comme de dire à un enfant, retourne là-bas. Amen. Alors s'il continue, s'il se conduit mal, diacre, restez à votre place. Vous êtes quatre, que deux restent à l'avant et deux à l'arrière, dans le coin, ou quelque part comme ça. Et suivez très attentivement au cas où des renégats. Et tout entrerait. Vous voyez, montez la garde, rendez-vous à votre poste, restez-y et restez-y. C'est votre siège. Ou alors, tenez-vous debout près des murs et observez tous ceux qui entrent. Amen. 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 Le diable prend soin de la maison de Dieu. Amen. Si quelqu'un entre parler lui, soyez là pour les saluer. Serrez-les la main. Vous êtes le policier. Pouvons-nous vous montrer le vestiaire? Vous voulez vous asseoir? Pouvons-nous vous apporter un ou deux champs ou quelque chose? Ou n'aimerez-vous pas ou que puisse faire pour plaire? Voyez? Nous aimerions que vous puissiez vous plaire ici et prier. Et nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Amen. Ce soir. Conduisez jusqu'à une place et dites, aimerez-vous être plus près ou aimerez-vous être ici, amen, vers l'arrière ou n'importe où ailleurs. C'est faire preuve d'hospitalité. Amen. Un policier ou le diacre, c'est comme la police militaire à l'armée, de la courtoisie, mais accompagné d'autorité. Amen. Vous savez ce qu'est la police militaire. En fait, s'il exerce ce droit, je pense qu'il est comme un aumônier. Vous voyez, il fait preuve de courtoisie et tout, mais il détient tout de même une autorité. Vous devez lui obéir. Amen. Et le diacre aussi doit les remettre à leur place. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un se conduit mal, le diacre doit le remettre à sa place. Amen. Amen. Maintenant, rappelez-vous, le diacre est le policier. Et la fonction de diacre est en fait plus stricte que presque n'importe quelle fonction dans l'église. Amen. Je ne connais pas de fonction plus stricte que la fonction de diacre. Amen. C'est vrai. Parce qu'il a un vrai travail. Et c'est un homme de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu autant que le pasteur est un homme de Dieu. C'est tellement qu'il est. C'est un serviteur de Dieu. Amen. 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 Voyez, que le nom du Seigneur soit béni. Le diacre est le gardien de la maison de Dieu. Amen. Il prend soin de la maison de Dieu. Amen. Et la garde en ordre. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Si vous connaissez autre chose que doit faire un diacre, venez me le dire. Voyez-vous, amen, c'est la même chose ici. C'est votre devoir de faire cela. Oui, d'appuyer vos dires. Amen. Amen.
Amen. Amen. On est d'accord, non? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Bien. Il dit ceci. Amen. Amen. Eh bien, ceci regarde le pasteur, voyez-vous, parce qu'après tout, il est la tête de la partie spirituelle. Les diacres sont des policiers dans l'église pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses. Nourriture, nourrir les pauvres. C'est-à-dire, ils doivent nourrir les pauvres et ainsi de suite. Les administrateurs sont responsables des finances. Bon, comme papa est administrateur pour le moment, je laisse ça. Amen. Amen. Les diacres sont responsables du bâtiment et ils sont là pour s'occuper de la nourriture des pauvres. Vous, les diacres, votre devoir est de mener l'ordre de l'église avec gentillesse et bienveillance. Et puis, vous êtes censé, si quelqu'un fait du désordre dans l'église ou entre ici par exemple un ivrogne, où quelqu'un entre, voyez, appelle. Voyez, alors c'est là qu'il a rappelé l'histoire de ce pasteur-là. Appelle. Il dit maintenant, s'il y avait eu là un groupe de diacres, quand ce homme a franchi la porte avec son fusil, il aurait encerclé de leurs bras et lui aurait arraché ce fusil. Voyez-vous, voilà des diacres qui travaillent avec ordre. Or, à présent, que les choses se passent, comme elle se passe maintenant, on peut bien s'attendre à n'importe quoi. C'est-à-dire, si les diacres sont pas à leur poste, on peut bien s'attendre à n'importe quoi. Mais rappelez-vous, les diacres sont les policiers de Dieu, de la maison de Dieu. Peu importe ce que les autres en pensent, parfois un policier doit aller arrêter quelqu'un, peut-être l'un de ses amis. Mais vu qu'il est assermenté, il doit le faire de toute façon. C'est son devoir envers sa vie. Voilà le devoir du diacre envers l'église. Donc si quelqu'un se lève brusquement et se met à interrompre le pasteur ou quelque chose comme ça, tandis que le pasteur donne son message, les diacres sont censés aller vers de telles personnes. Vous voyez? Deux ou trois d'entre eux pourrions-nous vous parler, frère? Voyez-vous, de l'église, amenez-le dans le bureau ici ou dans le bureau et parlez-lui à ce sujet. Amen. Amen. Vous dites, vous ne devez pas interrompre. Voyez-vous, il y a une grosse amende prévue par la loi quand on interrompt un service. De toute façon, voyez-vous, mais si des gens, par exemple, un délégant ou quelque chose comme ça viennent parmi vous, vous savez, quelques fanatiques religieux, vous voyez, collègue, quand vous venez, il peut venir, ils sont très violents. S'il n'y a pas de diable pour le bloquer là-bas, au moment de l'entrée encore, les chefs sont pour la déclare. Amen. Amen. Des fanatiques religieux. Amen. 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 Vous voyez, et qu'ils commencent à se conduire mal, alors les diacres. Et si les diacres ne sont pas capables de maîtriser la situation, alors le conseil d'administrateur, d'administration ou n'importe qui, dans l'église peut s'approcher et porter secours à cette personne. Amen. 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 Les diacres sont des policiers et leur parole fait loi. Amen. Et c'est l'église. Et même les lois du pays et même les lois du pays qui leur confèrent l'autorité de faire de cette maison de Dieu un endroit pour être. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre est passible de 2 à 10 ans de prison fédérale. Amen. Si vous leur dites de sortir et qu'ils ne le font pas, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il s'expose, sera passible de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. Amen. Amen. Et vous devez savoir ça, on n'est pas là, c'est vrai. Mais si quelqu'un vient faire du désordre ici, amen. Amen. Et que les diacres essaient de le contrôler, qu'ils refusent, soit la maîtriser, la police peut le mettre en prison pour ça. Amen. Parce qu'ils n'ont pas respecté les diacres de l'église qui sont la sécurité. Voyez? Et il n'y a plus d'amende pour celui qui fait le désordre.
Amen. 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 On est d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Faites ceci. C'est la bonne façon de mener cela. Que l'ordre soit maintenu. Parce que c'est constamment, maintenant. Les petits-enfants et les petits bébés, les mères et ainsi de suite, pleureront, c'est certain. Et s'ils se mettent à pleurer trop et qu'ils interrompent votre pasteur qui est là-haut, rappelez-vous, vous êtes les gardes du corps. Donc, c'est-à-dire les diables sont aussi les gardes du corps du pasteur. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, les diacres même délaissent leur pasteur, puis ils sont ailleurs. Dans le civil, là, regardez comment les gardes de corps se comportent. Amen. Hein? On parle de cérémonie, le pasteur là, il va avec ses anciens, les diacres, mais les diacres là, ils laissent leur pasteur. C'est-à-dire qu'ils ont pris leurs amis sont déposés. Ils ont oublié qu'ils sont en mission. Bram dit, vous êtes des gars du corps du pasteur. Amen. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, quand vous voyez d'autres assemblées où les diacres sont à cause de leur pasteur, ils sont très rigides, mais ils protègent leur don. Amen. Aujourd'hui, dans le sabot, tous les loups sont rentrés. Tous là pour empoisonner les pasteurs. Oui. Ils se disent pasteurs. Mais ce sont des démons incarnés. Amen. 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 Vous êtes ces gars du corps. Il répète, vous êtes ces gars du corps dans l'évangile. Amen. Voyez-vous? Et si cela interrompt le message du Seigneur, vous êtes des diacres. Alors vous devez, alors que de vous faire? Amen. Amen. C'est qu'un homme qui parle en langue est lié par le devoir. Et un homme qui prêche est lié par le devoir à la parole. Il est lié par le devoir et ses choses, à ses choses. Chacun de vous est lié par le devoir à une fonction. Amen. Donc les diacres sont aussi les gardes du corps du pasteur. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas un problème. Amen. Normalement, les anciens diacres devaient dire Amen. Amen. Hein? On est d'accord? Amen. 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 Donc, vous les diacres, vous devez vous occuper de ça. Voyez, nourrir les gens, c'est votre travail. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Comment l'Église devrait-il agir lors de demandes d'aide financière pour de la nourriture ou des vêtements? Comment agir? Que devrait faire l'Église? C'est ça la question. S'il y a des problèmes, des demandes d'aide financière, les gens ils ont besoin de moyens financiers, ils n'ont pas à manger, voyez, l'Église va faire comment? Donc voilà Branham qui répond. Nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens. Hein? Amen. L'Église est responsable des siens. Maintenant, comment je vais faire pour savoir que tout cela sort de l'Église? Hein? Nous sommes entièrement responsables. Dites Amen. 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 Donc, si il y a un problème, on doit laisser tomber. Non. Hein? On peut être d'accord, donc si y a quelqu'un a un problème, on le laisse tomber. Non. On n'est pas des catholiques. Amen. C'est ça qui fait qu'on prend des mesures. Amen. Pour pouvoir aider au mieux de nos possibilités un membre qui a des problèmes. Amen. Parce que l'ordre nous dit qu'on est responsable d'eux. Amen. 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 Amen.
Nous sommes entièrement responsables. Amen. Aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir avec besoin. Amen. Donc on va des moyens là. On va trouver les entrées là-bas. On va ce qu'ils font. Amen. Amen. On est reçoit des membres. C'est vrai, non? Amen. Hein? Amen. Donc dans la fonction, donc on va aider aussi à quoi les moyens pour pouvoir aider les membres. Amen. Et ça, c'est administration. Donc, regarde, restez tranquille, j'arrive là-bas. Amen. Amen. Nous sommes responsables des notes, c'est-à-dire des membres réguliers. Amen. Qui sont fidèles au tabernacle, qui y viennent et adorent avec nous. Amen. Nous sommes liés par le devoir envers eux en tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Amen. Des membres réguliers. Maintenant, comment tu vas faire pour savoir quel est régulier? Qui est régulier? Amen. C'est le diacre. Amen. 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 Voyez, quand on parle, voyez, de l'office des diacres, ceux qui vont voter, le prophète dit ceci, dans l'ordination des diacres, voyez, il dit ceux qui doivent voter là, c'est qui? Il dit l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence. Amen. Ça veut dire qu'il va être présent. Physiquement, on va les voir. Amen. Par leur dîme, il doit aussi payer leur dîme. Amen. Par leurs offrandes, il doit aussi payer leurs offrandes. Amen. Ça, j'arrive sur ça aussi. Amen. 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 Il dit, ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans le déplacement. Donc, voici les critères des membres d'une assemblée locale. Amen. Il doit être présent. Il doit payer ses dîmes. Il doit payer ses offrandes. Amen. Amen. Et Branham nous dit ici que nous sommes responsables des membres réguliers. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi malheureusement, un cas s'est passé ici. Un frère qui a adoré avec nous ici, qui est sorti. Vous voyez, et malgré les interpellations, il n'est pas revenu. Et il est mort la semaine surpassée. Vous voyez? J'ai dit ici que l'Église n'est pas responsable de ça. Amen. Vous voyez? Autant le pasteur de où il disait, si tu manques l'Église, c'est un mois que je t'arrive là-bas, l'Église ne s'engage pas. Amen. Parce que, dites-moi, qui mange ici une fois par mois? Qui mange une fois par mois ici? Levez la main. Qui mange une fois par mois et puis en forme? Levez la main. Qui mange une fois par mois? Qui mange une fois chaque 3 mois? Une fois chaque 2 semaines? Une fois par semaine? Demain matin, il faut attendre une semaine. Si tu travailles après le culte, il faut attendre le dimanche après le culte, manger encore. C'est physiquement ce corps-là. Pour l'entretenir, on doit manger tous les jours. Amen. Et Jésus, si tu as dit, tu as dit 3 fois par jour. Amen. Il n'a pas dit 3 fois par semaine, il dit 3 fois par jour. Et bien, il a ajouté encore, j'ai vu ça une fois, il dit des mets variés et vitaminés. Amen. C'est pas pour les fils, nos fils. Vous voyez? Amen. Il dit, c'est quand ce que tu manges, tu donnes le sang. Amen. 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 Donc, si physiquement, quand tu ne manges pas, tu es faible. Donc, tu ne peux pas t'absenter 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans motif valable. Si c'est le travail, c'est autre chose. Mais c'est une mission. Amen. Mais tu vas vadrouiller dans le bon, prendre tous les insectes, et puis un bon jour, on voit ta tête. Au moment de, après, tu es revenu, ouf, tu as disparu. Et tu arrives là, on n'est pas responsable. Amen. L'église n'est même pas un frère dedans. Amen. C'est pourquoi le frère qui est parti, j'ai dit, on n'est pas responsable. Amen. Donc, et quand aussi allé à son enterrement, il est venu. Quand il est rentré dans mon bureau, il dit, pasteur, on doit tout faire, ne pas sortir du message. Amen. Que ce que j'ai vu, ben c'est ce frère qui a envoyé aussi au message. Hein. C'est lui qui a envoyé aussi au message. Et là, il est mort.
voyez, il était abattu dans mon bureau. Il dit, on doit tout faire pour ne pas sortir du message, parce que ce que j'ai vu là, ça m'a trop marqué. Amen. Vous voyez, quelqu'un qui a pris ce message et qui meurt comme un vulgaire chien. Vous voyez, mais on enterre comme un vulgaire. Non. Frère, notre relation avec Dieu, c'est très important. Amen. Et physiquement, on appartient à une communauté. Amen. Et c'est notre présence contre. Bram dit, par leur présence, amen, par leur dîme et par leurs offrandes. Amen. Amen. Vous voyez, d'autres pays jamais dit. Offrande même, d'autres pays même pas. Si le, si j'ai le temps, je vais toucher là-bas, vous allez voir. C'est quelle attention faite là. On va voir ça pour aujourd'hui. Si tu penses que tu adores Dieu, on va voir. Priez pour que j'arrive là-bas. Hein. Amen. Amen. Je ne vais pas prier, j'arrive pas là-bas. Amen. 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 Donc, Abraham dit, c'est-à-dire des membres réguliers. Ce n'est pas moi qui ai dit ce mot, hein. C'est Abraham. Amen. Membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle, qui y viennent et adorent avec nous. Nous sommes liés par le devoir envers eux en tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Amen. 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 Voyez, les diacres sont ceux qui doivent régler ce conflit. Et c'est un problème de nourriture, de vêtements, ils sont les diacres. Ou plutôt ce problème, parce que dans la Bible, lorsqu'il survient cette dispute concernant la nourriture, les vêtements et ainsi de suite, dans le lieu des actes, on fit appel aux apôtres à ce sujet et ceci dit, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, afin qu'il puisse s'occuper de ces choses. Pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la parole de Dieu et à la prière. Amen. Ce n'est pas le devoir du pasteur s'occuper de cela, de la nourriture et ainsi de suite. C'est censé être fait par les diacres. Amen. 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 Voyez, ce n'est pas la fonction des administrateurs, c'est la fonction des diacres de le faire. Souvenez-vous que dans la Bible, ils pourvoyaient aux besoins des leurs. Amen. Une fois que Dieu se leva entre les Grecs et les Juifs, parce que l'un recevait un peu plus que l'autre. Mais il s'agissait là des gens qui avaient vendu tous leurs biens et les avaient donnés à l'église pour la soutenir. Amen. Amen. Et cela devrait être réparti entre eux à part égale. Et c'est alors que suivait une petite dispute. Voilà d'où sont venus nos premiers diacres. Et c'est l'une de leurs fonctions de s'occuper de cela. Je pense que plus qu'il s'agit des nôtres, que ce sont nos propres fidèles, nous devons prendre soin d'eux. Amen. Et s'il y a des plaintes, elles devraient être adressées au président du conseil des diacres. Amen. Parce qu'il y a l'ordre. Ça doit être adressé au président du conseil des diacres, qui verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Tous les débats relatifs aux vêtements, à la nourriture, à une aide financière ou quoi que ce soit, devraient passer par les diacres. Amen. Alors les diacres, une fois qu'ils ont décidé ce qu'ils vont faire à ce sujet, devraient alors soumettre cela au trésorier. Amen. Pour savoir si le trésorier est en mesure en ce moment de débourser, voyez, ou d'acheter ses vêtements. Amen. Ou ce dont il peut être question. Le conseil des diacres donc devrait se réunir à ce sujet. Cela ne concerne ni les administrateurs, ni le pasteur. C'est entièrement l'affaire des diacres. Amen. 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 Voyez, c'est entièrement l'affaire des diacres. Nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et si la question, les diacres vont examiner et que c'est bon, alors ils vont chemin ça au trésorier. Et ça sera payé. Si c'est les vêtements, alors le trésorier va payer. Voyez? Et va remettre à la personne. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Mais tout ce qui est argent, spirituel, physique, voyez, tout ce qui concerne l'individu, abio, nourriture, spirituel, c'est diable. Donc l'administration n'a rien à voir avec vous, Amen. Physiquement. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, si les diacres ne jouent pas leur rôle, l'équipe va évoluer parce qu'ils sont les serfs de l'esprit du pasteur. Amen. 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 Il doit être des gens qui sont assis dans la doctrine. Amen. Ça, c'est un. Deux, il doit se rendre disponible pour les saints. Amen. 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 Quand ils vont chez vous, c'est pas pour aller raguer les ragots. Amen. C'est pas pour prendre des familles, voyez, de leur côté. Un gars qui fait cela, quand si c'est, si ça nous marvient, on doit le démettre. Parce qu'il est un demande dangereux. Il donne du poison au peuple. Amen. Voyez. Amen. Amen. Parce que en réalité, c'est qu'il n'est pas le pasteur dans sa tâche. Non. Au contraire, il a fait un coup d'état. Amen. Pasteur. Hein? Donc, tu veux faire pour l'État comme celui qui a l'épée, il va te démettre. Amen. 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 Et puis, devant Dieu, tu n'as pas raison. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est très important. Il y a tellement de choses que je vais dire à ce sujet. Amen. Amen. Mais, je vais probablement stopper là, je vais venir là-dessus. Je vais prendre la prochaine Amen. Amen. Alors, les administrateurs, leur travail, c'est gérer le patrimoine de l'église. Gérer le patrimoine de l'église. S'occuper du bâtiment. Ça ne s'arrête pas là. Alors, regardons ici. Je prends dans le règne intérieur, puis on va aller. Mais avant d'aller là, prenons dans Matthieu 25. Matthieu 25. Je sais qu'il fait chaud, mais en enfer, il fait plus chaud ici. Amen. 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 Matthieu 25. Vous êtes là? Amen. On peut le lire? Amen. Je prends à partir verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Amen. Amen. Retenez bien ça, il les fait valoir. Amen. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un cœur alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, voyez, Seigneur avec le grand S, hein? Et c'est de Dieu qui est question, de Jésus qui est question. Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans notre maître. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, Amen. Je savais que tu es un homme juste,
qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je n'ai pas perdu, vas-y ton argent. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Amen. Oh Seigneur. Serviteur méchant et paresseux. Amen. Administrateur, écoutez très bien. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Amen. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Amen. Ça, c'est la petite chose qu'il fallait faire. Quand tu es un administrateur, remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, je leur retire ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Et le serviteur inutile, celui qui ne fait pas travailler l'argent de Dieu, c'est un serviteur inutile. Amen. Celui qui va travailler le talent que Dieu lui donne, c'est un serviteur inutile. Amen. Quand Dieu te donne un don, tu dois travailler. Amen. Sinon, tu es un serviteur inutile. Amen. Tu ne vas pas dans l'enlèvement. Amen. Amen. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est là-bas que les vierges se sont retrouvées. Quand ils sont venus, la porte était déjà fermée. Ils se sont retrouvés dans les ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents. Amen. Et ce n'est pas réservé au serviteur inutile. Et la qualifié de méchant et paresseux. Amen. Donc c'est vrai que ici je parlerai de l'administration, mais ça causait tout ce qui est don dans l'église. Amen. Et ils donnent avec ce don, ou bien ils utilisent mal ce don. Amen. Il n'y a pas à l'enlèvement pour toi. Amen. 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 Tu as un talent, tu n'as pas fait valoir cela, il n'y a pas à l'enlèvement pour toi. Amen. Parce qu'il dit dans les ténèbres du Dieu. C'est l'écriture. Hein? Amen. 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 Alors, est-ce que quand il répétait les 5 talents, les 2 talents, les 1 talent, est-ce qu'il y avait une recommandation derrière? Est-ce qu'il a dit, va faire placement? Il a dit, va faire investissement? Va faire ceci, va faire cela? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit, quand il va venir, on va rentrer? Il dit, il s'en va. Peut-être qu'il va y venir. Hein? Mais nous, on sait qu'il va venir. Amen. 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 Donc, quand tu es sage, on te promet quelque chose, il faut bien garder ça. Amen. Or, l'idée ici, ce n'est pas garder l'argent simplement. Sinon, il ne va pas mettre quelqu'un va rentrer en enlèvement parce qu'il n'a pas travaillé l'argent. Est-ce qu'il a perdu l'argent? Non. Est-ce qu'il a dépensé l'argent? Non. Donc, normalement, pour un homme, on dira que c'est un bon économe. Parce qu'il a. On lui a confié l'argent, il est intègre, il n'a pas dépensé, il n'a pas perdu l'argent, il a rendu l'argent. Mais c'est l'argent, quand l'argent ne travaille pas, l'argent perd de valeur. Amen. 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 Voyez. Bref, dit l'argent est un moyen d'échange. Si l'argent ne travaille pas, l'argent perd sa valeur. Voyez. C'est pas 10 francs aujourd'hui n'est pas égal à 10 francs de demain. Amen. Donc lui, il a pris l'argent là, il dit, ah, le Dieu là, ça va être compliqué. Hein. Je ne vais pas faire plus. On dit sur l'argent. Donc, voilà, je prends caisse. Caisse des enfants là. Moi, je mets l'argent dedans. Voilà. Là, comment me donner le compte, voilà ça. Mais si c'est ça seulement là, on n'est pas bien ici. Si on a fait offrande, on a donné 30 000. Vous voyez, dans l'année, ça fait combien? 30 000 par semaine. Hmm? Donc, 30 000 par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Ça fait combien? En prenant des bébés grecs. Dans 12 mois. Est-ce qu'avec ça,
on peut subvenir aux besoins de tous les saints. Quelqu'un peut avoir un problème d'opération de 300 000 millions, on fait comment? Si l'administrateur là, il doit prendre quelque là, il dépose là et puis l'attend. C'est comme si, et en plus de cela, il doit avoir des réparations, il doit avoir ceci, il doit avoir cela, des besoins. Et puis à la fin, il dit non, l'église, pour les offrandes totalisées, ça faisait 1 500 000. Bon, on avait dépensé à ça, on a acheté ça. Et puis, bon, actuellement, il est allé dans la caisse. Tu es un mauvais administrateur. Amen. Dites amen. Amen. Durant l'année, tu as eu 1 million 5. Où est l'intérêt qui est dessus? Amen. Parce que c'est la question. Amen. C'est pas que ce que tu t'es donné, tu vas me donner la même chose. C'est ça, ça ne sert à rien. Dis, mais pourquoi au moins tu n'as pas mis dans un compte d'épargne? Amen. Parce que si tu dis à la banque où est l'intérêt, ça dit qu'il faut qu'il y ait des intérêts. Oui. Mais on lit ça dans la Bible. Maintenant, on va lire pour le prophète aussi. Voyez? Donc, un administrateur qui ne fait pas travailler l'argent de Dieu, c'est un mauvais ouvrier. Amen. C'est mon opinion. Amen. Amen. Donc, quand pour moi, c'est moi qui suis le pasteur, c'est comme ça que je vois. Amen. Si demain, il y a le pasteur, il va dire autre chose. Amen. Amen. Mais comment supportez-moi? Alors, l'achat des administrateurs, selon le Brian Abenac, selon le message, voilà. Le groupe d'hommes dirigera le bien-être de l'église comme un groupe d'affaires. Est-ce qu'il peut vous dire quelque chose? Amen. Hein? Est-ce que j'ai bien lu? C'est-à-dire, le groupe des administrateurs dirigera le bien-être de l'église comme un groupe d'affaires. Maintenant, dites-moi, les hommes d'affaires là, pourquoi on les appelle des hommes d'affaires? On est à l'école, hein? Pourquoi on les appelle hommes d'affaires? Parce qu'ils font des affaires. C'est-à-dire? Il est investi. Il progresse. Mon ami, pourquoi on les appelle hommes d'affaires? On les appelle hommes d'affaires parce qu'ils font travailler l'argent. Parce qu'ils font travailler l'argent. Hein? C'est ça, non? Maintenant, si le pays offrande allait garder, et puis demain, on prend ça, on vient dans l'église. Est-ce que ça, c'est comportement de homme d'affaires? Non. Répondez. Non. Alors, nous avons déduit. Est-ce que c'est ça qu'on appelle homme d'affaires? Non. Vous, les femmes qui faites des affaires, là, quand vous prenez l'argent, vous partez mettre dans le canari, et puis une semaine après, alors ça produit. Non. Branham dit, amen. C'est Branham. Amen. Si ma conception est fausse, alors je me suis forcé de faire ce qu'il a dit ici. Amen. Le groupe d'hommes dirigera le bien-être de l'église comme un groupe d'affaires. Ils sont élus pour protéger l'église dans ses tâches financières. Hein? Protéger l'église dans ses tâches financières. C'est que nous avons des engagements. Amen. Amen. Ils sont élus pour protéger l'église dans ses tâches financières, dans ses investissements financiers. Amen. C'est pas moi qui le dis. Hein? Donc, l'église doit faire des investissements financiers. Amen. Par l'entremise des hommes d'affaires de l'église, sont les administrateurs. Amen. Pardon, on n'est pas à la bombe là. Amen. Amen. Hein? Et c'est parce que nous avons des investissements qu'on va de protéger l'église dans ses tâches financières. Amen. Et quand tu fais des investissements,
alors il peut avoir des dettes qui peuvent venir. Donc c'est pourquoi il va être véritablement devant financier. Amen. Pour minimiser les dettes. Amen. C'est-à-dire les pertes. Amen. Il va faire de vrais projets, voir la rentabilité, voir les risques encourus, pour voir si on peut engager les fonds ici. Parce qu'on a engagé les fonds que ça capotait, l'église se retrouve pied à l'air. Amen. 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 Hein? Parfois on condamne. On voit telle église, telle nation. Donc, ils ont construit des choses ici et puis ils ont des fenêtres. Attends, tu le condamnes, toi tu as fait quoi? Tu le condamnes. Amen. Montre-moi tes œuvres. Donc, tu penses que prends l'argent, offrant. Offrant, c'est combien? Si tu es milliardaire et que tu donnes au moins offrant 1 milliard, ou bien 2 millions, ou 3 millions, là, on peut dire qu'on n'a plus rien à faire. Mais chacun se débrouille. Or, on est responsable des siens. Quand tu sais que tu es responsable de quelqu'un, tu prends des précautions. Amen. Si demain, il a problème, tu fais comment? Donc déjà, tu commences à faire un programme. Amen. Le monde fait des assurances pour prévenir en cas de besoin. Quand il y a un problème, je n'ai pas l'argent moi-même pour pouvoir subvenir. Donc je peux donner 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Quand il y a un problème, la communauté va intervenir. Amen. Et si même on a dit 1000 francs par mois pour le soutien, personne, les gens ne donnent pas. Ça te prend combien de l'année? 12 000 francs. 12 000 francs de l'année. C'est parce qu'on perd des frères au milieu de nous. La caisse ne peut pas supporter. J'ai été obligé, parfois enfin, je n'en ai pas, d'aller voir un frère pour prendre près de 300 000 francs avec un frère. Le temps que les gens réagissent, que les gens ne réagissent pas. Donc, ça veut dire que vous voulez que c'est moi qui ai pris pour enterrer mon fidèle, donc je dois rembourser. C'est pas grave, je dois rembourser. C'est quelle église? 1000 francs, on ne paye pas. Mais je ne prends pas l'argent ailleurs. C'est nos offrandes. Mais si elle n'a pas, on fait comment? Hein? Je dois prendre 300 000 francs. Quand ils sont venus ici, mais dis merci au Seigneur, à l'église, ils sont contents d'applaudir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. 1000 francs à donner. C'est ton frère qui a fait part de toi ici. Et on a loué le Seigneur avec, et c'est eux, brusquement, il est parti. Donc on a réagi rapidement, mais les gens, même qu'à aujourd'hui même, personne ne réagit. Amen. Amen. C'est moi qui suis engagé, c'est mon fidèle. Je vais l'embrousser. Amen. Mais ça ne nous honore pas. Je ne peux pas laisser mon fidèle, je suis responsable. Amen. Là, les enfants sont désemparés. Alors, on n'est pas des catholiques. Nous sommes des gros du message et on est responsable. Amen. 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 Il n'y a pas la caisse. Donc, vous pouvez me débrouiller, je me suis débrouillé. Alléluia. Amen. Le groupe d'hommes dirigera le bien-être de l'église comme un groupe d'affaires. Ils sont élus pour protéger l'église de ses tâches financières, dans ses investissements financiers, dans la supervision de ses propriétés et dans ses dépenses. Ils vont forcément considérer pas à pas chaque mouvement du progrès qui inclut les fonds de l'église. Car il sera responsable de garder l'église hors de l'endettement. Mais je vous pose une question. Si l'offrande qu'on reçoit ici, c'est ça qu'on a dépensé, il y a dans ça là. Répondez. L'offrande qu'on fait passer par l'offrande qu'on a reçue là, c'est ça qu'on a fait face aux besoins. Est-ce qu'il y a dette dans ça? Mais on parle de dette, c'est quand on contracte. Vous voyez, des crédits. Amen. Et si ce n'est pas remboursé correctement, il y a une dette qui vient. Amen. Tant que tu n'as pas un engagement financier ailleurs, il n'y a pas de risque de dette. Amen. Vrai ou faux? Amen. Ou bien, ce que Bram dit là, attends, il est sur la planète? Non. On pense qu'on est administrateur, on vient
Les diables vont faire l'offrande, vont prélever les offrandes, et puis on est là, on prend crin, on a noté, c'est fini, et puis on est assis, il y a fini ma fonction. Hé, hey, misérable, tu n'as rien fait encore. Amen. 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 Tu n'as rien à voir avec les autres, le côté spirituel, parce que tu as un vrai travail aussi, c'est de faire travailler l'argent. Amen. Ton travail tel que financier de l'église là, c'est de faire valoir ce que tu as reçu. Mais c'est ton travail, tu as reçu une fonction. Mais comment tu fais valoir cela? Amen. Vous voyez? En Europe. Vous voyez? D'autres, aujourd'hui, il y a d'autres assemblées qui profitent des réseaux sociaux. Vous voyez? Les administrateurs, ils espèrent tous ces cadeaux. C'est-à-dire, on a dit non, on est sur YouTube. Si ils ont au moins soit 1000 membres ou plus, et le nombre de vues qu'ils ont, etc., avec autant, YouTube leur déverse notre argent. Et c'est beaucoup d'argent. Amen. Vous voyez? Mais c'est un créneau que j'ai exploité. On est dans les guerres de Satan. Mais on doit utiliser les moyens là aussi. Jusqu'à ce qu'on rentre dans notre dédain à nous. Amen. 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 D'autres ils font ça. C'est pourquoi d'autres ont trouvé un travail des insalités. Les gens ont des cadeaux, ils prennent l'argent sur ça. Mais c'est l'argent sale. Amen. Mais les cultes, ici même, on est bien. Mais on est sur le. Mais personne ne va me consulter. Même quand la nuit est finie. Mais allez-y, écoutez ce qu'elle a dit. Amen. Si tu as un voyage, prends ta écoute. Amen. Hein? Luc, c'est un chrétien. Ce que tu as, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Viens expliquer. Ben, c'est toi, un chrétien. Ah, moi, t'es... je parle comme ça. Tout ce que le pasteur vient de dire, c'est exactement ça. Les administrateurs ne savent pas qu'on est sur les eaux. Pour essayer de voir comment ils peuvent exploiter, parce que l'argent peut tomber de départ. Vous voyez? D'autres font ça, et avec ça, ils équipent l'église. Vous voyez? Ils exploitent ça pour équiper l'église. Mais un administrateur, c'est un financier, il réfléchit. Amen. Amen. C'est pas ça fait compter l'argent, offrande. Parfois même, ça arrive offrande 10 000 francs, 15 000 francs. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Une fois commencé, je devais avoir réunion ici avec les anciens. Là, ça fait ma peine. Il dit, ah, pasteur, l'offrande qu'on a recueilli, ça fait, comment déjà 26 000, 36 000 francs. Maintenant, on doit aller pour la réunion. Bon, tous les déplacements vont faire 15 000 francs. Il dit chacun paye son transport. Amen. Offrande, les gens vont payer offrande. Dimanche, offrande 36 000 francs. C'est honteux. De toute façon, Dieu a touché là-bas. Restez là. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Hein, celui qui est parti peut se lever. Je n'ai pas encore fini. Hein. Amen. Je vous ai déjà donné la permission. Amen. Donc, je sais que personne ne va m'envoyer une note ici. Amen. Hein? Amen. 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 Donc, je reprends. Car ils sont responsables de garder l'église hors de l'endettement et de garder les saints loin des fardeaux qui sont trop lourds à porter financièrement. Mais s'il n'y a pas de projet, on va cotiser. S'il y a projet, que l'argent rentre, on ne cotise pas. Mais s'il n'y a pas prégat par l'argent, qu'est-ce que c'est fait? On cotise. Hein? Amen. En ce qui concerne la mise en œuvre de n'importe quel projet, quoi que ce soit, de n'importe quoi,
De n'importe quoi. Hein? En ce qui concerne la mise en œuvre de n'importe quel projet, quoi que ce soit, il doit présenter la chose au pasteur. Être en consultation avec le pasteur. Seul l'avis du pasteur est absolument nécessaire pour chaque projet financier. Amen. Pour chaque projet financier. Pour chaque projet financier. Dans lequel l'Église désire investir. Amen. Ou s'engager. Amen. Tu penses que le français est trop clair? Amen. Non? Administrateur, vous savez travailler. On est en train de construire. On veut que vous compreniez. C'est pourquoi j'ai dit comprendre. Vous voyez, comprendre le fonctionnement des offices pour mieux servir à son poste de devoir. Amen. 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 Vous voyez, le projet de bâtiment, de construction, ce n'est pas la construction, ceux qui sont au devant sur les administrateurs. Amen. Amen. Ben c'est leur travail. Amen. C'est leur travail. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et qu'on va faire construire, c'est eux qui auront la gestion du bâtiment. Amen. Amen. C'est leur travail. Si quelque chose ne va pas, c'est leur travail. Les toilettes autour du tout. Ils doivent réfléchir à ce qu'on ait des toilettes propres. Que rien ne puisse manquer là-bas. Parce qu'il faut qu'on soit dans les commodités qu'il faut. Amen. Amen. C'est leur travail. C'est pas venir réveiller aux frères et s'asseoir là et c'est fini. C'est pas ça. Cette année-là, vous devez faire votre travail. Amen. Parce que chacun va rendre compte de sa charge. Amen. Si c'est 10 francs qui est rentré et c'est 10 francs qui est sorti, tu es un mauvais ouvrier. Amen. Il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est pas moi. Hein? Le maître dit on rend compte. Or, chaque année, on doit faire le bilan. Amen. Le bilan, c'est le trésorier, le pasteur et les administrateurs qui doivent être au courant. Mais quand il y a l'argent quelque part, tout le monde égargille les yeux, éteint les oreilles. C'est pas ça, vous ne possède pas. Amen. Et un trésorier qui divulgue le montant des fonds de l'Église à un membre, un frère ou une soeur, doit être sous malédiction. Amen. Amen. Parce que tu désobéis à l'ordre de Dieu. Amen. Même ton collègue, il est diable, il n'a pas le droit de savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi je vais toucher en même temps le trésorier. La responsabilité du trésorier est de fournir un décompte exact de l'état financier des fonds présents dans le trésor. Ce rapport doit être disponible pour le pasteur ou le conseil de l'administrateur sur la demande du rapport. Aucune autre fonction dans l'Église ne peut avoir accès à cette information. Amen. Fonction même n'a pas accès à l'information et c'est fidèle qui va avoir accès à ça. Hein? Lorsque tu es trésorier et que tu ne fermes pas ta bouche, tu es maudit. Amen. Ne joue pas le rôle de Judas. Amen. 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 Il peut obtenir une telle information par le compte rendu des administrateurs qui lui est donné par le trésorier. Le trésorier participera à chaque réunion des administrateurs pour prendre note et dresser le procès verbal des actions engagées par le conseil des administrateurs. Il n'a aucune autorité de transmettre ou de faire connaître l'information de l'état financier à toute fonction en service dans l'Église, excepté au pasteur et au conseil des administrateurs. Il ne sera pas un conseil des affaires spirituelles. Il n'est pas nécessaire qu'il participe aux réunions des diacres, à moins que le pasteur le demande. Amen. Le trésorier n'a pas le droit de faire connaître l'information financière qu'il détient à quelqu'un dans l'Église. Il fait cela, il est déjà sous malédiction. Amen. 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 Il est sous mauvaise onction.
Ceux qui ont droit de connaître, c'est le pasteur et les administrateurs. Parce que les administrateurs, peut-être, veulent faire un projet. Donc, ils ont besoin de connaître l'état financier. Alors, ils peuvent demander. Et s'ils demandent, le trésorier doit leur donner ça. Amen. Pourquoi? Parce que le trésorier, dans le, c'est lui qu'on fait le conseil des administrateurs, l'administration, c'est lui qui fait le compte rendu. Et qui doit distribuer. Amen. Amen. Donc, tout cela doit être mis en pratique maintenant. Amen. Si on n'a pas fait ça, on doit le faire. Amen. Si on dit conseil des administrations, l'administration, le trésorier, il fait le compte rendu, à la fin du conseil, il donne à l'administration et lui met la sonarchie. Et ça rend le reste de l'église. Alors, on peut suivre chronologiquement. Telle année, pour tel exercice-là, on a eu tel nombre de conseils d'administration. Voici les ressources qui ont été prises. Et voici leur suivi. Telle chose, on a pu boucler ça. Telle chose est en cours. Et c'est bouclé soit à 80%. Alors, c'est comme ça. Ça peut vous attendre dessus. Ça peut vous permettre d'avoir une idée. Amen. Amen. C'est un vrai travail. Amen. C'est pas venir s'asseoir et se désoler. Tu prends l'argent, tu as mis l'argent. Non. Tu dois avoir les différents comptes rendus. Ainsi qu'on dit qu'un projet n'est pas supprimé. Amen. Voyez, un trésorier n'a pas le droit de dire je ne donne pas l'argent. Il n'a pas le droit. Voyez, quand il est sollicité, il doit voir l'état du trésor. S'il y a besoin de fonds, il fait droit. S'il n'y a pas besoin de fonds, il fait recours au pasteur. Il dit, ah, pasteur, voici tel besoin des administrateurs pour tel projet, on n'a pas besoin de fonds. Ou bien les diacres ont tel besoin pour commander telle personne, on n'a pas besoin de fonds. Alors, le pasteur, maintenant, en fonction du niveau là, c'est lui qui peut savoir si on va soit creuser un peu ou soit pas creuser. Alors, si c'est impossible, et que pendant les diacres, pour un besoin d'un frère, soit c'est 100 000 francs ou 200 000 francs, alors quand cela arrive au pasteur, qu'on n'a pas ça, on va faire face. Parce que le trésorier est vide, le pasteur vient à la chair et dit, ah, cher bien-aimé, on a notre frère, voici, qui a des soucis. Les diacres ont évalué, c'est la situation est vraiment juste et le besoin est réel. Et après évaluation, il faut 200 000 francs pour s'en sortir. Les caisses ne sont pas en mesure de supporter ces 200 000 francs. Alors, je vais faire recours à l'Assemblée. On va faire une offrande. On appelle 200 000 francs. Et le frère dit, alors, le pasteur va l'annoncer, le frère sera recueilli. On doit recueillir la somme là, et puis on remet ça par l'entremise. Le trésorier, on remet ça à monsieur le frère, voici. Mais on a dit 200 000 francs, c'est 200 000. Sur 200 000 francs, et puis toi, l'église, fait, je retiens. Et puis c'est 100 000 francs seulement. Il va s'en sortir comment? Quand il y a un besoin, on doit sacrifier. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce qu'on doit se sentir responsable. On doit être, si c'est moi qui ai le besoin, les gens feraient pareil pour moi. Amen. Ce que tu confesses, tu peux faire pour les autres. Amen. Si tout à l'heure, on dit ton enfant est en train de mourir, tu vas sortir mais 100-200 francs rapidement. Mais on dit ton frère est en train de mourir, on a pris 200 000 francs, tu regardes la tâche de 500 francs. C'est que tu es un mauvais frère, tu es une mauvaise soeur. Amen. Amen, amen. Non. Si c'est ton fils là, tu vas trouver le moyen de sortir l'argent. Mais ton frère est en train de mourir, et puis dis-moi, les gens se débrouillent. Tu voulais te dire, je prends sa charge là, amen. Et tu peux le faire, tu ne le fais pas. Tu es un mauvais frère. Amen. Vous voyez? Parce que Dieu te voit. Amen. Notre manière d'agir doit changer. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Vous voyez? Alors, il y a une question aussi qui est posée en rapport avec les diacres, mais ça concerne le groupe musical. Alors, je vais lire ça et à la fin les administrateurs plutôt. Mais ça concerne le groupe musical. Alors, je vais lire la question 233.
Amen. La question est ceci. Combien d'instruments devons-nous avoir dans l'église en dehors de l'orgue et du piano? Vous voyez, c'est que au Grand Tabernacle, ils ont deux. Ils ont l'orgue, ils ont le piano. Maintenant, la question est posée. Combien d'instruments devons-nous avoir dans l'église en dehors de l'orgue et du piano? Voici la question. Eh bien, cela dépend si vous avez un orchestre à cordes ou bien autre chose. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous avez. Ce que veut dire, ce que ceci veut dire, je ne le comprends pas. Seulement, l'orgue et le piano sont la propriété de l'église. Amen. Maintenant, si le directeur des chants décidait d'avoir des trompettes et des cornets et ainsi de suite, comme cela, et que des gens soient venus dans l'église sachant jouer de ces instruments, amen, ils font partie d'un orchestre. Alors évidemment, cela concerne vos administrateurs. Amen. Il faudrait voir avec les administrateurs s'ils ont l'argent pour acheter ces instruments. Et ainsi de suite, ou comme cela. Je suppose que c'est la question posée. Mais, s'ils possèdent leur propre instrument, formidable. S'ils n'ont pas d'instrument à eux et qu'ils font partie d'un orchestre ici, ce ne doit pas être simplement quelqu'un qui vient ici juste pour jouer de temps en temps. Amen. Pour s'en aller ailleurs ensuite. Amen. Il doit s'agir d'un orchestre de l'église. Amen. 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 Si je décide qu'on va avoir un orchestre ici, peut-être les gens disent non, attends, le pasteur va la dévier. Attends, je suis dans l'ordre de l'église. Hein. Amen. Il dit je m'attache pour de la prière. Amen. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Je m'attends à ce que vous les appliquiez. Amen. Mais dans l'application, comme je l'ai dit, ça dépend de la sensibilité du conducteur. Amen. Si le conducteur décide d'avoir un seul piano, c'est sa sensibilité. Amen. Il n'est pas en dehors du message. Amen. Donc ceux qui ont plusieurs instruments ne doivent pas condamner ceux qui en ont un seul. Amen. Mais c'est la sensibilité. Amen. 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 Et si quelqu'un aussi a plusieurs, celui qui n'a pas, qui a un, va pas dire lui d'être le leur. En réalité, ça veut dire que lui ne comprend rien du message. Amen. Parce que voici l'ordre de l'église. Amen. Il dit, je m'attends à ce que vous les appliquiez. Amen. Et c'est le conducteur, c'est le pasteur qui est responsable du groupe musical. Amen. Mais l'achat d'instruments, ça dépend du responsable et aussi des finances. C'est pourquoi ici ça concerne les administrateurs. Amen. Mais n'oubliez pas que c'est le pasteur qui a la tête. Amen. 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 Si je vois batterie ici, c'est que je veux qu'il y ait batterie. Amen. Et c'est pas dans le message. Amen. Si je veux qu'il y ait trompette, mais le maître dit il ne doit pas s'agir de quelqu'un qui va venir jouer et puis va partir. Amen. Mais si un frère ou une soeur sait jouer, alors on paye. Amen. On met la personne dessus. Amen. 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 Je continue. Mais, s'ils possèdent leur propre instrument formidable, s'ils n'ont pas d'instrument à eux et qu'ils font partie d'un orchestre ici, ce ne doit pas être simplement quelqu'un qui vient ici juste pour jouer de temps en temps, pour s'en aller ailleurs ensuite. Il doit s'agir d'un orchestre dans l'église. L'église n'achèterait pas une trompette à un homme qui en joue ici aujourd'hui et demain soit ailleurs. Amen. Amen. Et encore ailleurs, qui passe nous voir de temps en temps pour en jouer un peu. Non, monsieur. Amen. Amen. Il doit s'agir d'un orchestre ici même. Amen. D'un orchestre bien constitué. Amen. Avec le directeur. Amen. Alors, voyez, vous pouvez leur parler d'acheter des instruments. Il dit, pour parler d'acheter des instruments, il doit avoir un orchestre bien organisé. Amen. Avec un directeur. Amen.
Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai choisi le frère Willy comme responsable de ces instruments. Et il fait un très bon travail. Parfois, il fait pour harmoniser leur son. Amen. Amen. Et voyez, un requin, c'est quoi? Je donne la définition du dictionnaire. Il dit un orchestre, la définition, c'est un ensemble d'instruments réunis pour l'exécution d'une œuvre musicale. Deuxième, groupe d'instrumentistes constitué en association de concerts symphoniques. Amen. 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 Donc, c'est-à-dire, quand c'est un seul instrument, on ne parle pas d'orchestre. Amen. On parle d'orchestre parce qu'il faut parler d'orchestration. Amen. C'est l'action de mettre en harmonie plusieurs éléments. Amen. C'est-à-dire, si on a deux pianos, les deux pianos ne peuvent pas jouer le même son. Amen. Mais il faut un chef d'orchestre qui va départager les notes à jouer. Amen. Quelqu'un qui est bien formé et il va les former à l'utilisation de ça. Amen. On peut avoir trois pianos, mais les trois pianos ne joueront pas le même son. Ça ne sert à rien. Amen. Mais le chef d'orchestre qui est bien formé et qui est fort, alors il donne à chacun une note musicale. Amen. Voyez, et pour tel cantique, alors lui, il doit être dans cette gamme, l'autre dans ça, l'autre dans ça, l'autre dans ça. Alors quand toi en train de jouer, ça fait une symphonie. Amen. On ne saura même pas que c'est plusieurs instruments qui jouent. Amen. Voyez, mais si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Amen. Si dans l'église, on n'a pas des frères et des soeurs qui savent jouer, on ne va pas le louer quelqu'un, payer un instrument, on va le louer quelqu'un. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai pris un spécial pour vous former. Amen. 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 Vous former. Et vous devez suivre ça correctement. Amen. On va monter là. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'autres peuvent venir ayant leur propre instrument qui savent jouer. Ils peuvent venir, alors, s'ils ont leur propre instrument, c'est formidable. C'est qu'on ne va pas payer l'instrument, puisqu'ils vont venir avec ça pour jouer dans le groupe. Amen. Donc ça vous aide. Amen. Mais s'ils n'ont pas leur propre instrument, et que l'église, il dit qu'il faut que ça soit un orchestre ici même dans l'église. Amen. Où? Au Rappel là? Non. Si? C'est l'ordre de l'église 63. Amen. Ce qui est là, c'est l'ordre de l'église 63. Amen. 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 C'est l'ordre de l'église 63, ce qui est lui là. Amen. Amen. Vous voyez? Donc les gens demandent. Maintenant, ça dépend du pasteur qui est là. Si le pasteur qui est là, il ne veut pas de piano, il ne veut pas d'orgue, il ne veut pas de trompette, l'église ne va pas faire. Même si les gens qui savent jouer, mais ils ne vont jamais payer ça. Amen. 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 Oh papa, que les gens font ça, ils ont cobra tabernacle. Non, c'est un piano seulement. Non, on a dit, ils ont un piano, ils ont or. Amen. Oui. C'est pas, moi, je ne suis pas là-bas, mais je, c'est ce qu'il a dit là. C'est la communauté de l'église. Amen. Ici, le piano est énorme. Amen. Amen. Comment juge, j'en sais rien. Tu comprends, tabernacle, c'est un piano seulement. Non. Et c'est la difficulté qu'on a reçu ici, au début. Vous voyez? Avant, c'était en table. Après, quand le message passé à Golieu, nous non, ça là c'est démoniaque. De toute façon, je vous ai promis, je vais enseigner sur l'adoration. Amen. Dans cette année-là, priez pour moi, je vais le faire du début à la fin. Amen. Du groupe musical, des chants, des danses, tout ça, ce que Branham en dit. Amen. 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 Je suis le pasteur. Amen. Je donne la direction. Amen. Point. Amen. 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 Celui qui n'est pas d'accord, viens me voir. Amen. Si vous ne pouvez me voir, c'est un faux son. Amen. 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 Parce qu'il n'y a pas deux directions. Non. Amen. Amen. Donc vous les diacres, vous devez être dans la même symphonie. Amen. 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 Si les diacres n'est pas d'accord, viens me voir. Elle ne sait pas d'accord, viens me voir. Tant que je ne peux pas me voir, c'est un faux son. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bon, attendez. Je vais voir ce béni que j'ai ici. On est sur les talents.
Ça va? Amen. Amen. Et Dieu nous demandera contre pour notre talent. Amen. Ah, laissez-moi dire ça. Dans la profondeur, après la profondeur. Il dit ceci. Paragraphe 12, du 4, 11, 53. Il dit, j'entends à la radio qu'ici, au centre du pays, il y a un homme répondant au nom de M. Follet. On le connaît par son nom de famille, ou plutôt par son prénom, Red Red. Il a chanté un cantique par ici tout récemment intitulé « Paix dans la vallée ». Quelle merveilleuse voix! Mais à quoi l'utilise-t-il? Dieu demandera des comptes. Alléluia. Il a une belle voix, mais il se met à la disposition du diable. Il dit, béni sois-tu à deux tons. Vous voyez, il parle des deux que tu avais des dons. L'autre, il a chanté cantique, mais il a mis sa voix au service du diable. L'autre aussi, il était entre les mains du diable que Dieu a rappelé et il a mis sa voix au service de Dieu. Amen. Vous voyez? Il dit, béni sois-tu à deux tons, qui s'est converti dans une réunion d'un frère Graham, là en Californie. Une vedette de cinéma. Amen, Seigneur. Elle était une vedette de cinéma. Elle s'est convertie à la réunion. Amen. Dieu l'a béni et lui a accordé d'enregistrer. Amen. Voyez, ce n'est pas un secret ce que Dieu peut faire. Amen. Et cela s'est trouvé en tête de toutes les chansons de la nation. Amen. Des paroles merveilleuses. Amen. L'autre chante pour Christ. Dieu nous demandera des comptes pour notre talent. Amen. Une vedette de cinéma que il a reçu le Seigneur et il a converti sa voix là pour chanter les cantiques pour le Seigneur. Amen. Et Dieu l'a béni. Amen. 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 Et le prêtre dit sa chanson a été à la tête de toutes les chansons de la nation. Amen. Donc ça veut dire qu'il a eu beaucoup de renommée par la voix qui s'est disposée pour le Seigneur. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Il dit béni sois-tu. Mais c'est nous aujourd'hui. Si c'est nous aujourd'hui, quelqu'un, peut-être il dansait dans le, il chantait dans le cabaret. Et il reçoit le message, il vient. Et puis il commence à chanter. Il a dit bon, comment dirais-je sortir va? Nous, on est tellement radical. Il a dit non, non, non. Oui. Là, ça, là, c'est son onction là. Il faut qu'on voit bien dedans. Toi, tu es qui même? Amen. Quelqu'un qui était là-bas dans les mains du diable, Dieu l'avait sorti. Et maintenant, il veut maintenant mettre sa voix et tout ça au sein de Dieu. Il doit t'encourager. Amen. Amen. C'est, ça, là, c'est pas un prophète là. Quelqu'un qui était dans le cinéma. Amen. Et qui va enregistrer un candidat. Mais est-ce que ça va être un ennemi? Il dit il n'y a pas de possibilité de ce que Dieu peut faire. Amen. Avec un homme qui se dispose. Amen. Et son cantique dit un cantique merveilleux, c'est que vous pouvez écouter. Amen. Et le cantique là a pris tout le, toute la nation. Amen. 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 Regardez, venez de cinéma, venez de Dieu. Oui. Amen. Amen. C'est-à-dire, parfois, notre radicalisme va pas me tuer. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire la différence. Amen. Nous tous, on était quelque part. Amen. Amen. Avant de venir sur le terrain. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire même. Il parle du talent, la formation. Laissez-moi chercher ça rapidement. Excusez-moi. Amen. Ah, c'est ici. Le nom de Jésus. Amen. Voyez, c'est dans la restitution de l'âme de l'épouse. Le paragraphe 33. Voyez, il parle d'un jeune homme qui a peint un tableau. Et dit, ses frères, j'ai...